Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans ce nouveau live pour les jeunes là qui débutent leur formation de l'agrég interne ou qui veulent un petit peu recommencer un petit peu à revoir un peu les bases là pour se relancer. Voilà. Parce que des fois il faut recommencer un peu au début, quoi, vous voyez. Donc, avant de recommencer par des sujets un peu compliqués, je sais que quelques-uns d'entre vous, enfin, quelques-uns d'entre nous, parce qu'on est tous collègues, profs de maths, voilà. Bon, quand ça fait longtemps qu'on n'est pas dedans, on se dit, oh j'ai oublié tout ça, purée, il va vite, là, c'est quoi cette histoire de somme directe, de machin, de polynôme, d'annulateur, de trucs, machin, j'ai oublié tout ça. Et donc, je me dis, voilà, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de reprendre un petit peu des cours vraiment de base, en l'occurrence sur la partie que j'aime beaucoup, là, la réduction des automorphismes, la diagonalisation, trigonalisation, etc., etc. Et donc, c'est la suite, hein, donc, de toute façon, si vous êtes là, normalement, si vous avez vu les trois épisodes précédents. Et donc, sinon, je vous engage à les regarder. Hein, et puis, on va donc commencer aujourd'hui la quatrième partie. Donc, on va corriger les exercices 10, 11, tout ça. Oh. Alors, je vais bâiller beaucoup. Hein, je vous le dis tout de suite parce que j'ai passé une très mauvaise nuit la nuit dernière pour des raisons indépendantes de ma volonté et qui, malheureusement, ne sont pas sexuelles. Je capte. Bon, bref. Donc, voilà. Salut Seb. Salut Olivier. Salut Caroline. Salut Ramda. Mais donc, bref. Donc, je suis fatigué. Donc je vais bâiller. Donc voilà, j'ai dormi 3 heures en gros la nuit dernière. Donc voilà, je fais le live quand même parce que je suis comme ça, je veux pas vous abandonner quoi. Déjà que je vais partir au Canada dans pas longtemps, je vais vous abandonner pendant 2 semaines, tout ça. Donc bon, donc voilà, il faut que je sois là quand même. Alors salut Zlopeg, salut Valentin. Hop, j'ai corrigé ta copie Valentin. Et malheureusement c'est pas brillantissime. Salut Henri, salut Oz. Salut Hotman Hotman, salut Sébastien. Ouais, bah ouais, forcément, j'ai les yeux rouges, c'est fatal. Je ne suis pas un surhomme, j'aimerais bien. Putain, si je pouvais vivre parfaitement en dormant 3 heures par nuit, ce serait vachement bien. Je pourrais faire plein de trucs, mais ce n'est pas le cas. Salut Céline, salut Raphaël, salut Mehdi, salut France. Il n'y a pas de souci, Oz, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Ça fait toujours plaisir de te retrouver, mais tu fais bien ce que tu veux. Salut Julien. Tiens, pendant que je parle des trucs sympas, je vous rappelle que j'attends toujours des candidatures. Enfin, il y en a déjà, mais j'aimerais bien en avoir d'autres pour qu'on fasse une énorme fête chez Blanche le week-end du 9 juillet. Donc, si voilà, vous voulez venir passer quelques jours dans une région vraiment superbe à proximité de Saint-Émilion, si vous ne connaissez pas Saint-Émilion, c'est-à-dire c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pas pour rien. Pour un truc à voir une fois dans sa vie, honnêtement, c'est superbe. Il y a une église troglodyte là qui est fantastique, qui a été creusée, donc, comme le nom l'indique, au milieu de la pierre. Qui est vraiment très 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 impressionnante, et puis c'est super beau, enfin je veux dire, voilà. C'est une région superbe. Je vous propose d'y venir et passer quelques jours. Vous êtes hébergé, vous êtes nourri, vous avez des boissons en quantité. Il faut juste payer le billet de voyage, le voyage, quoi, voilà. Donc, en plus, on a la chance de se rencontrer et tout ça, donc c'est super. Et donc, bref, pour le moment, il n'y en a pas tant que ça qui m'ont demandé de venir. Enfin, je veux dire, le ratio entre les nombres de gens qui regardent et le nombre de gens qui ont proposé de venir est très très faible. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de copains qui débarquent. Alors, le problème, c'est que là, évidemment, ceux qui ont réussi la grègue, là, ils viennent plus trop regarder. Alors, du coup, je ne sais plus trop comment les joindre pour leur dire ça. Donc, si vous connaissez qu'on réussit, là, dites-leur qu'ils viennent fêter ça avec nous. Parce que la date n'était pas fixée avant les résultats. Et du coup, voilà, parce qu'on a eu des petits soucis. Et donc, on va parler de ça. On va en parler de polynômes caractéristiques, polynômes minateurs, polynômes minimales. Bah, si tu veux, je vais en parler un petit peu, Olivier. Ouais. Puis, de toute façon, on va en parler aujourd'hui. C'est un peu prévu, quoi. Salut, Laurence. Eh bien, Haute-Saône, c'est pas tout tout près de Sainte-Terre. Mais, bon. Ça se fait, quoi. Donc, alors, que ce soit clair, vous pouvez venir en famille. Vous pouvez venir avec votre chérie. Vous pouvez venir avec vos enfants. Pas un problème, je veux dire, on est vraiment open. Je veux dire, voilà. Blanche est quelqu'un que j'admire extrêmement pour ça parce que pour elle, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Vous dites, ah, moi je peux venir que telle date, machin, truc. Ok, bah tu viens, c'est pas grave, c'est pas. On se débrouille, on fait la fête. Moi je pense que j'y serai 2 3 jours avant et 2 3 jours après. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Alors pour ça, dire, alors comment faire pour venir si on est intéressé pour venir faire un petit tour à Sainte-Terre? À côté de Saint-Émilion et visiter faire une petite promenade dans les vignes tout en dégustant de la science infuse et en discutant de maths que du bonheur, quoi. Voyez. Et bien pour cela, la méthode est très simple, il suffit de me le dire
en m'envoyant un petit mail à matadulte@gmail.com en disant voilà, on est 3, 4, 8, 27, on voudrait venir de telle date à telle date, c'est simplement pour que je puisse acheter en quantité les boissons et la nourriture, d'accord? J'ai juste besoin de savoir combien de personnes et à quelle date. Donc, vous amenez un sac de couchage, hein, d'accord? Nous, on fournit un matelas. Si vous avez des matelas qui roulent et tout ça, ça peut être mieux, parce que ce sera peut-être plus confortable que ce qu'on va réussir à vous fournir, mais sinon, c'est pas obligé, quoi. Minimum du minimum, vous amenez un sac de couchage et on fera un énorme dortoir dans le salon, hein, ce qu'on a fait l'année dernière. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir en train de n'importe où sur Terre où vous êtes près d'une gare SNCF, vous arrivez à la gare de Bordeaux et après vous prenez un train pour Libourne, on viendra vous chercher en voiture. Donc pour ceux qui se disent, oh là là, j'ai pas de voiture, c'est pas possible, il n'y a pas de souci, on fera des navettes. Donc Bordeaux-Libourne, il y a des navettes toutes les demi-heures, je pense, ça doit coûter 10 balles, ou peut-être 8, enfin bref, donc ça va. Donc voilà, vous arrivez à la gare de Bordeaux, c'est pas un problème, d'accord? Hein, Émilie? Donc voilà, après, si la première gare de chez toi est 1h20, je pense que peut-être demander à un voisin, un copain, à quelqu'un de te déposer à la gare. Allez, ça doit être possible. C'est quand même, ça se fait, on se rend des services. 1h20 de marche, ça veut dire quoi? Un quart d'heure de bagnole. Ça peut se faire peut-être. Donc voilà. Donc Maxime, je te remercie, je vais très bien, mais je suis un petit peu fatigué. Donc, je ne sais pas si tu disais la première gare à 1h20 de chez toi ou à 1h20 de là où on fait la fête. Là où on fait la fête, il n'y a pas de problème. À la gare de Libourne, on vient vous chercher. Il n'y a pas de problème. Nous, on fera des navettes. Moi, je prendrai la bagnole, ma petite voiture jaune, là, elle fera les trajets, j'irai vous chercher. Ça, c'est pas un souci. Vous arrivez à la gare de Libourne, on vient vous chercher. Oui, Blanche habite à 1h20 à pied de la gare, mais à un quart d'heure en bagnole. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà, moi, je veux dire, il suffit qu'on sache quel train vous arrivez. Et voilà, il n'y a pas de souci. Non, Émilie, c'est pas un problème ça. Donc tu viens. Ok, je note que Émilie, tu viens. Tu m'envoies un mail, tu me dis quel train tu arrives, on vient te chercher. Je viendrai te chercher, même, tu vois. Pour pouvoir discuter sur le trajet, te disquer, voilà, faire connaissance avec toi. Les résultats de l'ENS, c'est vendredi, hein? Bah, bonne chance à ceux qui les passent. Alors, Nick, je suis en Amérique latine. Si tu es capable d'aller en Amérique latine, tu es capable d'aller à Sainte-Terre. C'est que tu veux pas me voir, c'est tout. Alors, écoute, Émilie, tu pourras partir quand tu veux. Je te dis vraiment, je comprends, c'est des gens. Attends, moi je comprends très bien. Ma femme était très angoissée aussi la première fois. Il y a plein de gens qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment ça va se passer, tout ça, machin truc. Je te dis, honnêtement, des navettes, il y en a toutes les demi-heures. Et au pire du pire, c'est vraiment. Moi, je comprends ça. Tu me dis, je me sens pas bien et tout ça, machin, je reviens rentrer. Je t'emmène à la gare de Bordeaux quand tu veux. Je t'en fais l'engagement, je comprends. Mais tu te sentiras pas mal. C'est pas possible de se sentir mal chez Blanche. Évidemment, quand on l'a pas expérimenté, on se rend pas compte. Mais c'est la bienveillance personnifiée, je veux dire. C'est vraiment un endroit où tu peux pas avoir de soucis, quoi, tu vois. Mais je comprends que tu te dises, oh là 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 là, si jamais ça va pas. Si jamais ça va pas, je m'engage à te ramener à la gare à n'importe quelle heure. D'accord? Alors évidemment, si ça va pas à 3h du matin, qu'il n'y a pas de train, je ne peux pas fabriquer un train. Mais sinon, je te promets, tu viens, tu te dis, oh là là, mais si je veux repartir, il n'y a pas de problème. On n'est pas voilà, vraiment, on n'est pas dans la toi dans les ah non, t'es obligé de rester ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'ambiance hyper sympa, hyper bienveillant. Tout le monde est cool avec tout le monde. C'est un vrai, enfin, je veux dire, il faut le voir pour le croire, quoi. Donc voilà. Et je comprends super, hein, Émilie, que se dit voilà, s'il y a plein de monde, je vais peut-être pas me sentir bien et tout. Il n'y a pas de problème. Je te promets que si tu te sens pas bien, tu peux repartir quand tu veux. Ma femme était un peu comme toi, mais après, ça c'est très, très, c'est tellement sympa que ça s'est très bien passé à chaque fois. Mais si tu dis finalement, il n'y a pas de problème. Et on t'en voudra pas et tout. Voilà. Bref, alors, donc Maxime, je répète, je parle de la fête que vous faites pour fêter les agrégés, mais si vous n'êtes pas agrégé, vous pouvez quand même venir. Le 9 juillet, ça se passe à Sainte-Terre, à côté de Saint-Émilion. Et c'est voilà. Et donc, si vous voulez vous inscrire, vous m'envoyez un mail à matadulte@gmail.com pour préciser les heures d'arrivée et de départ pour que je puisse prévoir les repas et la boisson. C'est la seule contrainte. Voilà, c'est pas chiant. Hein. Donc, une fois sur place, rien à payer. Voilà. Je fournis la bouffe, je fournis les boissons. Si vous, alors, si quand même, j'exagère un peu, si vous clopez et que vous allez acheter des clopes au bureau de tabac, je ne paye pas les clopes. Mais à part ça, non. Bref. Alors, la question, tu as fait une prépa, j'imagine c'était pour moi. Alors oui, moi j'ai fait une prépa, oui. J'ai fait une maths sup à Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge. Je salue au passage. Et deux maths sp, parce que
C'est pas que j'aimais bien, mais c'est que j'ai pas eu le premier coup. À Saint-Louis, à Paris. Alors, la rugby, c'était une grosse fête ce week-end. Ouais. C'était un peu dur de circuler, mais c'était bien, l'ambiance était sympa. Puis en plus, moi j'ai une voiture qui est jaune et noire, du coup, forcément, tout le monde croyait que dès que je passais, tout le monde me klaxonnait, tout, c'était excellent. Donc, c'était très très bien. Valentin confirme, donc c'est un étudiant de La Rochelle, que la fête était énorme. Donc, voilà. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais bah, c'est toujours sympa, vous voyez que c'est La Rochelle n'est pas une grande ville, donc quand on gagne des grandes manifestations, ça permet de se retrouver et tout ça. C'est sympa, quoi. Mais alors, moi bon, on y est pour rien, mais c'était sympa de nous féliciter. Il y a un mec qui me félicite. Bravo pour le rugby. Moi, je le dis complètement. Comment je peux y être pour quelque chose? Mais bon. Enfin, bref. Alors, on a Émilie, on a gagné la Coupe d'Europe. Donc, c'est pas tous les jours, tu vois. Enfin, ils ont gagné la Coupe d'Europe. Moi, j'y suis vraiment pour rien. J'ai une torche complète en rugby. Bon, enfin, bref. Oui, alors Enzo, si tu peux dire, c'était MPSI, MP étoile pour prendre le vocabulaire moderne. J'ai fait une MPSI et une MP étoile, enfin deux MP étoiles du coup. Maxime, un exercice d'entraînement aux oraux que je réussis pas. Bah écoute, ouais, tu envoies sur Discord, il y a plein de gens qui font ce genre de choses, qui expliquent des trucs. Alors. Allez, bon alors là on part dans Grosstob, dont le pseudo, j'aime bien ton pseudo, mais là on part dans des trucs de fou, donc j'ai fait le NS cachant. Donc on va peut-être se mettre à faire des maths là quand même, parce qu'il est quand même 9h15, même si Guillaume n'est pas là pour me rappeler à l'ordre, il faut quand même que je vous rappelle qu'on a des exos à corriger, des choses à voir, il y a quelqu'un qui veut des petits rappels sur les poèmes émulateurs, etc. Donc voilà, on fera une pause à 10h30, on pourra parler de trucs personnels et tout ça, mais là il faudrait peut-être quand même un petit peu s'y mettre. Allez. Salut Manu. Bon, Manu, j'ai pas reçu ton mail. Toi, bah, typiquement, Manu, je l'ai rencontré à la fête l'année dernière. C'était très sympa. Il peut vous confirmer. Et j'aimerais bien que tu viennes à celle-là. Tu m'as pas envoyé de mail pour dire que tu venais. Et Céline au carré non plus, j'attends ton mail. Je suis très triste parce que Céline, je voudrais vraiment te rencontrer. Allez, on y va. Pareil, Philippe, j'ai toujours pas ton mail. Je ne comprends pas. Ah, tu viens, mais tu m'as pas dit, Manu, t'abuses. Comment tu veux que je prévoie les boissons et les trucs? J'ai demandé qu'on s'inscrive avant de venir. Ah, tu sais pas à combien? Bah ouais, mais d'accord, mais tu essayes de me dire rapidement quand même. Donc je sais qu'il y a Émilie qui vient maintenant. J'attends son courrier. Hop, allez! Eh bah ouais, alors c'est ça le problème, c'est que tu n'étais pas là les 2 semaines qui ont précédé, tu n'étais pas là, c'est pas bien. Ok, Émilie, je comprends, mais je te promets, tu ne regretteras pas. Ok, mais tu peux venir le 10, Céline, si tu veux. La grosse fête, a priori, la grosse soirée, c'est le 9, mais si tu veux venir passer un jour, le 2, le 10 ou le 11, moi, je serai là encore. On l'a dit la semaine dernière, hein, je suis sûr. Je le dis toutes les semaines depuis que j'ai la date. Alors, cette matrice, donc l'exercice 10, on se dit la matrice là, est-ce qu'elle est diagonalisable? Alors, attention, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas symétrique qu'on n'est pas diagonalisable. Attention, Émilie, hein, on a un théorème spectral, qui dit que si la matrice est symétrique et réelle, alors elle est diagonalisable dans R. Mais ça ne veut pas dire que si elle n'est pas symétrique, elle n'est pas diagonalisable. Parce qu'une matrice. Parce que juste, il n'y a pas de raison, quoi. Et tu prends une matrice, par exemple, triangulaire quelconque, avec des éléments tous différents sur la diagonale, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à N sur la diagonale, et triangulaire supérieur. D'accord? Et ben, elle n'est pas du tout symétrique, parce que toi, il y a des zéros d'un côté et t'as des nombres de l'autre. Et ben n'empêche qu'elle est diagonalisable, si toutes les valeurs propres sont différentes. Les valeurs propres, on les voit sur la diagonale d'une matrice triangulaire, tu vois. Donc si elles sont toutes différentes, on a déjà expliqué, mais je pourrais expliquer, hein, mais que la matrice est forcément diagonalisable, alors qu'elle n'est pas du tout symétrique, tu vois. Hop, hop là. La différence entre MP et MP étoile, c'est pas tout à fait les mêmes concours qu'on peut tenter. En gros, MP étoile, c'est plus pour Polytechnique, ENS, Centrale, les mines, etc. Enfin, les mines de Paris. Et puis MP, ça peut être aussi Centrale. Et puis, enfin, bref, il y a des concours aussi pour MP, mais c'est des écoles, disons, un petit peu moins élitistes, quoi. Alors, allons-y. Il n'y a que deux directions de vecteurs propres, nous dit Laurence, donc elle n'est pas diagonalisable. Alors, on va regarder ça.
Donc voilà notre matrice. Alors on la regarde. Donc voilà, on fait la somme des lignes déjà parce qu'on ne sait jamais. Ça fait 2, 2. Ah, on se dit on est sur une piste. Pas de bol, la dernière ligne, ça fait 1. Donc ça ne fonctionne pas. Notre astuce là pour trouver des valeurs propres ne fonctionne pas. Ok, bon bah tant pis. Alors, hop. Démontrer que les valeurs propres de A sont 1 et 2. Alors bon, bah donc ils sont pas nous donnent le résultat, mais on va quand même calculer les polynômes caractéristiques de A. Donc alors le polynôme caractéristique, pour répondre à la question de je sais plus qui, déjà j'ai oublié, voilà, j'ai plus de mémoire à court terme, hein, de tout à l'heure, qui voulait savoir un petit récap. Donc ça, c'est la définition, c'est le déterminant de x fois identité, donc là en l'occurrence c'est i3, moins a. Okay, donc là, on va le calculer. Ça fait. Hop. X moins 1, 0 moins 1. Alors, donc ici, ça fait 1. X moins 2. Moins 1, 1 et x moins 1. Ok. Alors, comment on calcule ça? Hop. Bon, ben, je sais pas, on va ajouter par exemple la. Waouh, directement, je fais un développement par rapport à la première. Par rapport à la première ligne, là, ça n'a pas l'air trop dur. Donc, ça fait x moins 1. Facteur de ce déterminant-là, je détaille hein, pour pas hop, pour que les gens comprennent un petit peu comment on fait. Hop. Alors plus moins plus, donc là c'est plus moins 1 fois le déterminant qui est ici. Hop. Ok. Donc, alors finalement, ça fait quoi cette affaire? Ça fait x moins 1 facteur de x moins 2 fois x moins 1 plus 1. Moins. Alors ça fait 1 moins moins x moins 2, donc plus x moins 2. Et alors finalement, ça c'est x moins 1. D'accord? 1 plus x moins 2 c'est x moins 1, donc je mets x moins 1 en facteur. Facteur de x moins 2 fois x moins 1. C'est magique. C'est plus 1, moins 1 avec lui. D'accord, donc je vais mettre le x moins 1 au carré en facteur. Je vais mettre x moins 1 au carré. Voilà. Et donc, effectivement. Donc, les valeurs propres de 1. 1 et 2. Ok. Voilà, je regarde s'il y a des questions dans le chat. Alors, Alain Humbert, c'est une convention, là, de choisir déterminant de A moins xn ou déterminant de xn moins A. L'avantage du déterminant de xn moins A, c'est que c'est un polynôme unitaire. C'est tout. Bah, en fait, il faut choisir un des deux, c'est une convention, là, hein. Je veux dire, voilà, tu vois. Faut juste. Non, mais ça marcherait aussi, hein. Enfin, je veux dire, là, il est unitaire, mais le déterminant, c'est moins 1 puissance n déterminant de A. Si on prenait l'autre, le coefficient constant serait le déterminant de A.
Donc il y aurait des avantages et des inconvénients, il fallait bien choisir un des deux. Voilà, moi j'ai choisi celui-là. Je crois que de façon standard, on choisit ça pour la définition du polynôme caractéristique. Mais... Alors 1 moins x au carré fois 2 moins x, c'est faux, puisque ça change de signe par rapport à nous, Mafalda. Alors, c'est pas dramatiquement faux, mais ça doit être faux quand même, tu as un signe qui déconne. Alors peut-être que tu as fait déterminant de A moins X identité. Du coup, ça expliquerait. Alors non, A469, justement, quand c'est degré 3, le signe change. Ouais, faites comme vous voulez, hein. Moi j'ai pris la notation standard des bouquins de maintenant. Ah ben voilà, c'est normal, Mafalda. Donc on a trouvé la même chose. Ok. Ok. Entre le rhume des foins et la petite nuit, là, tu vois. Bon. Ok. Bon alors, ok, question 2. Jusque-là, ça va. Déterminer les sous-espaces propres de A. La matrice A est-elle diagonalisable? Bon, alors vu qu'après on demande les sous-espaces caractéristiques, c'est vrai que la réponse va être non. Sinon, ceux qui savent pas, alors je vais expliquer un sous-espace caractéristique, on va refaire une petite parenthèse, mais si elle est diagonalisable, les espaces caractéristiques, c'est les mêmes que les espaces propres, donc on ne poserait pas cette question. Mais... Ok? Donc allons-y, on va regarder quand même les espaces propres. Donc allons-y pour le premier. Donc, alors, déjà, c'est pas la peine de regarder. D'après ce qu'on a vu la semaine dernière, je vous rappelle, je vous incite à aller voir le replay si vous ne l'avez pas vu, la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre 2, c'est-à-dire que Kerr, hop, je vais le marquer comme ça, la dimension du Kerr, donc de l'espace propre associé à la valeur propre 2. Allez, on est, puisque 2 est une valeur propre, et c'est maximum 1, puisque c'est toujours plus petit que la puissance qui est ici. Donc ici, c'est 1. D'accord? Donc je vous insiste, si vous ne comprenez pas pourquoi, j'ai expliqué ça justement la semaine dernière, allez voir le replay, c'est une parenthèse, où c'est expliqué, voilà. Bon, je ne remonte pas, mais c'est expliqué dans le document qui est au-dessus. Ok? Donc ça, c'est réglé, ça ne peut pas être mieux. C'est pour ça que, de toute façon, si on a 3 valeurs propres différentes, elles sont toutes de dimension au moins 1, la somme des dimensions fait tout l'espace, et puis voilà. Mais donc maintenant la dimension de Kerr de A moins identité, c'est quoi? Alors, Kerr de A. Hop. Alors, on va écrire la matrice A moins identité. Petit peu la matrice. Retire l'identité, ça fait 0, 0, 1, moins 1, 1, 1, 1, 0. Voilà, j'ai retiré l'identité. Donc le noyau de ça, c'est quoi? Alors, donc il faut trouver les vecteurs qui annulent ce... Alors, bon, alors cette matrice est de rang 2, d'accord? Tous les vecteurs ne sont pas. Donc, son noyau est de dimension 1. Ok? Et donc, si tu trouves un vecteur qui est dedans, et donc, il suffit de trouver une combinaison, enfin, voilà, une combinaison linéaire entre les 3 vecteurs colonnes de cette matrice, d'accord? X fois le premier plus X fois le second, ben, par exemple, le premier plus le deuxième plus 0 fois le troisième, ça a l'air de bien marcher. Ouais. Donc, vecte de 1,1,0. Voilà, ça a l'air pas mal.
Ça a l'air de bien fonctionner. Merci Laurence, on trouve pareil. Hop. Oui, alors j'aurais pu résoudre le système, mais bon, voilà, ça se voit assez rapidement. Donc, oui, c'est la matrice est. On le voit tout de suite, ce n'est pas déanalysable parce que cette matrice-là, alors les deux premiers vecteurs, ok, soit là ils sont collinaires, mais celui-là, il ne l'est pas. Donc vous voyez, si je prends le déterminant qui est ici, il ne vaut pas 0, par exemple. Donc la matrice a un déterminant, une matrice extraite de taille 2, 2 qui est inversible. Donc son rang, c'est au moins 2. D'accord? Donc d'après le théorème du rang, la dimension du Kerr, c'est maximum 1. Donc on a trouvé un vecteur qui est dedans, on a trouvé la base, tout. Mais censé maximum 1 ne peut pas être 2. Et comme il n'y a que 2 espaces propres, celui pour 1 et pour 2, la somme des deux dimensions, ça fait 2, l'espace c'est 3, c'est pas diagonalisable. D'accord? Je vais l'expliquer comme ça. Dimension de Kerr de A moins 2i3 plus dimension du Kerr. Ça. Oups. Est égal à 2. Et A n'est donc pas diagonalisable, puisque je vous rappelle que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu l'histoire des polynômes annulateurs, justement, mais que pour qu'une matrice soit diagonalisable, il suffit, et il suffit que la somme des dimensions des espaces propres soit égale à la dimension de l'espace. Là, on est en espace dimension 3, la somme des dimensions de l'espace propre, c'est 2, donc ce n'est pas diagonalisable. Ok, très bien. Alors, donc maintenant, les sous-espaces caractéristiques, donc je vais pouvoir en parler, ce sont, hop, donc, petite parenthèse. Donc voilà, si qui indice f, donc le nombre caractéristique d'un homomorphisme f, plus j'ai mis x moins alpha i ou x plus lambda i la dernière fois. Donc pour i allant de 1 à p. Donc voilà, si le polynôme caractéristique de f est scindé, d'accord, alors on appelle espace caractéristique. Je sais plus c'est quoi la notation standard. E lambda c'est pour l'espace propre et l'espace caractéristique, il y a une notation déjà, j'ai oublié. Donc l'espace. Hop. Kerr de. Alors, Kerr de quoi? Non pas Kerr de f moins alpha i identité, comme la dernière fois. Kerr de f moins alpha i identité à la puissance mi. On met une grosse parenthèse pour qu'on comprenne bien. Ok? Donc. Ok, donc ça c'est la définition. C'est-à-dire que hop et ça frite. Donc, alors pourquoi? Donc la petite hop, hop. Donc quel que soit G appartenant à L2. On a toujours.
L'application linéaire quelconque, on a toujours que l'ensemble, le vecteur nul de E, mettre ça entre accolades, est inclus dans K de G, est inclus dans K de G au carré. Alors ça, il faut bien comprendre cette affaire. Dans quel sens c'est? Pourquoi c'est inclus comme ça? Parce que vous voyez, K de G, c'est l'ensemble des vecteurs tels que G de X est égal au vecteur nul. Mais si g de x est vecteur nul, bah g de x, ça fait g carré de x, c'est encore égal au vecteur nul. C'est fatal. Oui, si un vecteur il annule g, bah il annule g rond g. Il annule même f rond g, où f n'a rien à voir, genre ça annule pas du tout en x, parce qu'une fois que c'est devenu vecteur nul, je vous rappelle que n'importe quelle application linéaire envoie le vecteur nul sur le vecteur nul. Toujours. Donc dès qu'il y a une application linéaire qui tombe sur le vecteur nul, après on peut faire encore tout ce qu'on veut comme application linéaire, on y reste. D'accord? Donc, si déjà x, g l'envoie sur le vecteur nul, ben on refait g après, ça reste sur le vecteur nul. On refait g après, ça reste sur le vecteur nul, vous voyez. Si, du coup, g au carré envoie un x sur le vecteur nul, c'était pas forcément que g de x est sur le vecteur nul. C'est possible que g de x soit dans le Ker sans que x soit dans le Ker. Oui, ça peut arriver si g n'est pas injective. Bon, bref, il y a des exemples où ça peut arriver. Auquel cas, Ker de g2 n'est pas, peut être strictement plus grand que Ker de g. Okay? Mais ainsi de suite. Ça, c'est inclus dans K de G3, parce que si G2 de X égale 0, bah G3 de X forcément est égal à 0. Ainsi de suite, d'accord? Voilà. Après, j'insiste pas sur le fait qu'il y a forcément un moment où ça s'arrête, et le premier coup où ça s'arrête, et ben ça s'appelle l'indice de fitting, tout ça, mais enfin bref. On n'en est pas là. Donc, en tout cas, on a toujours ça. Donc ça veut dire que, en particulier, l'espace propre E. Indice alpha i de f est toujours inclus dans l'espace caractéristique. Est-ce que quelqu'un dans le chat me dit là, il y a une notation standard, mais je sais, est-ce qu'il y a une notation standard pour l'espace caractéristique? Je ne me rappelle plus du tout. Là, j'ai un. Hop, hop. F lambda, ouais non, j'aime pas. On dirait que c'est relié à l'espace d'arrivée, enfin au autre espace et tout, ouais non, c'est. Je n'aime pas cette notation. Philippe Malo, tu me dis que c'est standard ça? Toi, tu connais tout, Philippe, tu dois savoir, non? F lambda? Ouais non, ça me semble bizarre. Je me demande si j'avais pas un EC lambda quand j'étais petit comme caractéristique. Mais... Alors, pour trouver le Discord, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur Tipeee et de donner faire un don de 3 euros et vous recevez en récompense le Discord. Et si jamais, ce qui peut très bien arriver, vous n'avez pas 3 euros et que vous avez vraiment envie d'aller sur Discord, ben, il n'y a pas de souci. Vous envoyez un mail à madadulte@gmail.com et je vous envoie le lien vers le Discord gratuitement. Donc voilà. Je viens de l'avoir dans le truc de... Ah, il est bien ce bouquin en plus. Bah Zeno, tu peux faire de don, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies un mail et je t'enverrai le lien. Je ne le mets pas dans le chat si tu veux, parce que voilà, c'est a priori, je ne veux pas décourager les gens qui veulent me faire un petit don pour ça. Mais si tu n'as pas de sous, tu m'envoies un mail, je l'envoie toutes les semaines à 2-3 personnes, alors, pas de problème. Moi, voilà, je vous rappelle, c'est pas, j'ai pas besoin de cet argent pour vivre. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça montre à quel point vous accordez de la valeur à mon travail et donc ça me touche énormément. Donc je suis très content qu'il y ait ça, mais voilà. Il y a des créateurs, donc c'est la ressource principale, c'est très important. Moi, c'est pas le cas. Hein. Moi, je suis salarié, hein, il n'y a pas de problème. Donc, bref, donc tout ça pour vous dire que la notation F me plaît pas trop. Mais bon, si Gillian dit ça. N, mais pourquoi N? E prime, putain, je me rappelais plus ma notation. E prime lambda, c'est peut-être pas mal. Allez, on va le noter E prime lambda.
Moi, je pense que c'était EC quand j'étais petit, mais hop, E prime lambda, ça me va très bien. Donc, en particulier, EI2F est toujours inclus dans, allez, hop, E prime alpha I2F. Hop là, ok. Et donc voilà. Et alors donc théorème, donc c'est ça qui est sympathique. Hop là, hop, hop. Et du coup, ce qu'on a vu la semaine dernière va devenir comme un cas particulier très simple de ça. Hop, puisque ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que la dimension de E alpha I de F était plus petite que le MI. Eh bien, théorème. Donc, si, hein, toujours l'hypothèse quand même qui est importante, qui est indice f est scindé, ça veut dire que le polynôme caractéristique s'écrit comme ça, est complètement factorisable, hein, par des polynômes de degré 1. Okay, si qui de f scindé, alors, dimension. De E' alpha I de f. Est égal à MI. Alors maintenant, comment ça se démontre cette affaire sans trigonaliser? Donc vous voyez, plouf, plouf. Alors. J'ai un peu oublié, je suis pas à fond dedans. Comment on démontre ça déjà? Ah oui. Alors, avec le lemme des noyaux, j'y arrive bien. Non, c'est juste que Maxime, j'essaie de trouver. Si toi, j'ai pas encore fait le théorème de trigonalisation. J'essaie d'introduire les notions petit à petit. On n'a pas encore vu que si le polynôme caractéristique est scindé, c'était trigonalisable et tout ça. Donc, pour ça, si jamais il faut faire ça avant, il faudrait que je fasse une autre parenthèse avant pour voir ça, quoi. Alors, lemme de noyaux, c'est pas mal. Donc, c'est peut-être le moment d'en parler, puisque je vais parler de polynôme annulateur aujourd'hui. Je vais donner cette caractérisation des endomorphismes trucs. Donc du coup, il va peut-être falloir que je parle du lemme des noyaux là. Donc on va parler du lemme des noyaux. Ça rend cette preuve-là complètement évidente. Alors du coup, avant de parler de ça. J'ai déjà parlé de polynôme annulateur la dernière fois, mais j'ai pas dit grand-chose dessus. Parenthèse, lemme des noyaux. Alors ça, c'est un truc super important. J'ai fait une vidéo dessus, juste pour ça. Bon, elle n'est pas super longue la preuve du lemme des noyaux. Bon, alors là, on m'aurait menti. Bon, on va voir. Alors, je vais expliquer. Si, déjà l'énoncé, P et Q sont deux polynômes de K de X, premier entre eux. Voilà. Alors, j'aurais dû mettre ça au début. Toujours une notation standard, hein, soit E1K espace vectoriel. J'ai pas dit de dimension finie, je ne crois pas que j'ai besoin du tout de dimension finie. Et soit F appartenant à L2. Donc si je prends deux polynômes PQ premiers entre eux, et si le produit PQ est un polynôme
Annulateur de F. Alors, et là c'est un résultat qui est assez invraisemblable. E est égal à R de P de F plus somme directe R de Q de F. Alors ça parle pas forcément beaucoup, donc on va tout de suite mettre des petits exemples. Et il me semble un peu gros ce symbole, je sais pas si j'ai pas. Ça c'est mieux quand même. Hop. Alors, on va faire des petits exemples parce que là, c'est au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, vous allez voir, les exemples, c'est fantastique, hein? Vous allez vite comprendre. Exemple. Exemple 1. Boulette. Si f au carré égale f. Alors, du coup, ça fait que le polynôme x carré moins x est annulateur de f. Mais x carré moins x, comme x carré moins x c'est égal à x fois x moins 1, ce sont deux polynômes premiers entre eux, hein. N'ont pas de racine en commun, hein. Donc deux polynômes de degré 2, ils ne peuvent pas avoir un PGCV autre que 1. Eh ben, on obtient que R de x de f, donc R de f, plus R de q de f, eh ben, R de q de f, c'est R de f moins identité. Bim! Donc f est diagonalisable, par exemple, parce que ok, ça c'est des espaces propres. Mais même mieux que ça, vous voyez, si je prends ce qu'on appelle un projecteur, bah, du coup, je trouve que ça égale ça. Après, on peut démontrer, même si on veut, que ça, c'est égal à m de f, mais bref, on trouve une décomposition directement comme ça de e, là, automatiquement. On ne connaît rien sur f, à part que f carré égale f. Et bah, bim, on a une décomposition, on peut démontrer, donc c'est la projection sur cet espace-là, parallèlement à celui-là. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Hop, exemple 2. Tous les exemples les plus classiques, mais c'est super important, quoi. Si f carré égale identité, donc le polynôme annulateur, c'est x carré moins 1. Un polynôme annulateur. Vous n'êtes pas sans le savoir, est égal, sans le savoir, oui, est égal à x moins 1 facteur de x plus 1. Ils sont premiers entre eux, donc bim! E est égal à R de f moins identité plus en somme directe R de f plus identité. Et voilà. D'accord? Et on peut donc facilement montrer que c'est la symétrie. Par rapport à ça, parallèlement à ça. J'insiste pas trop, vous voyez, c'est invraisemblable. Hop, là donc, de nouveau, c'est diagonalisable, hein, valeur propre moins 1, valeur propre 1. Hop, on a deux sous-espaces propres qui font le truc, machin, et ben machin. Ok? Et donc, c'est cool. Exactement, pour prendre le noyau, on va tirer un des bisous. Et donc, voilà, donc ça veut dire que si vous avez donc, là, je vais mettre conséquence importante. Si un polynôme. Alors déjà on peut le faire, enfin, après on peut itérer, bon je vais te faire un truc, on peut itérer, hein. C'est-à-dire que si c'est un produit de plein de polynômes 2 à 2 premiers entre eux, hop, hop, donc je vais mettre ça. Si, je sais pas moi, P1, P1, P2. Chaque fois, fois PN.
est annulateur de f avec des polynômes P indice i qui sont deux à deux premiers entre eux. Alors, E est égal à la somme directe. Pour le coup, je peux écrire comme ça, d'équerre de pi indice i de f. Pour i allant de 1 à exactement, premier entre eux, ça veut dire que leur prédécesseur est 1. Donc, si tu veux, tu peux avoir par exemple je te donne un exemple, hein. Si je prends x moins 1, ouais. Et puis ensuite une autre famille, je vais prendre x moins 2. Alors, d'ailleurs, ils ne sont pas premiers entre eux, ils sont divisés par x, tout à fait. Et je prends maintenant x moins 1, x moins 2. Eh bien, globalement, le PGCD de ces trois-là, un polynôme qui divise les trois-là, c'est forcément 1. Enfin, les constantes, quoi. D'accord? Alors que celui-là et celui-là, ils ne sont pas premiers entre eux. Celui-là et celui-là, ils ne sont pas premiers entre eux. Et celui-là, ils ne sont pas premiers entre eux non plus, parce qu'ils ont x moins 1 en facteur. Donc, être premier entre 2 à 2, ce n'est pas pareil, c'est plus dur que d'être globalement premier entre eux. En gros, pour être premier entre eux, globalement, plus t'en mets, plus c'est dur. Alors que 2 à 2, ben. Ok? Donc, faut que chaque couple. Mais donc, un exemple très simple, cas particulier, qui est très important. Si il existe un polynôme annulateur scindé et à racine simple, c'est-à-dire P égale produit pour, je sais pas moi, i 1 2 1 à n et x moins alpha i. Moi, je vais mettre P, c'est pas raison sur la dimension, même si, bon, bref. Tac, qui annule f, hein, tout tel, c'est tel que 1, P de f égale 0, l'application linéaire nulle. Alors, surprise, f est égal à analysable. Ah oui, bah oui. Pourquoi? Ben oui, parce que on vient de voir. Du coup, ça veut dire que E, c'est la somme des espaces propres. Parce que le quart de x moins alpha i, c'est justement l'espace propre associé à alpha i. Oui, j'applique le lemme de noyau à ce polynôme-là, produit de ça, polynôme, le lemme de noyau généralisé à ça. Bim, notre espace est la somme directe des espaces propres. Je peux prendre une base de tout cela, d'espace propre, pour faire une base de l'espace de départ, d'où elle est diagonalisable. Oui, donc c'est. Voilà. C'est hop. Alors, attention, cerise bleue, deux polynômes qui sont sans racines communes, ça veut pas dire qu'ils sont forcément premiers entre eux. Alors, je m'explique. Sans racines communes dans une clôture algébrique. Parce que, par exemple, deux polynômes réels qui n'ont pas de racines. Par exemple, x carré plus 1, et puis, je sais pas moi, x carré plus 1 au carré. Je prends un truc très très simple. Ben, ils ne sont pas premiers entre eux. Il y en a un, c'est p, et l'autre, c'est p au carré. Il y a le dénominateur commun, c'est p. Pourtant, aucun des deux a de racines, donc ils n'ont pas de racines en commun. Ils n'ont pas de racines en commun du tout, puisqu'ils n'ont pas de racines. Sauf qu'ils ont des racines en commun dans c. Ok? Ah oui, mais alors là. Voilà. Donc, le problème, c'est que si c'est.
C'est pas, c'est voilà, c'est, ils n'ont pas de racines en commun dans une clôture algébrique du corps dans lequel tu regardes. C'est QR. Ok, c'est dans C, mais dans un corps un peu commun, la plus compliqué, genre, je sais pas moi, Z sur 7Z, bah, ils sont premiers entre eux, ils n'ont pas de racines dans une extension algébrique, une clôture algébrique de Z sur 7Z. C'est quand même plus dur à voir. Alors, Olivier, pourquoi elle va pas jusqu'à N? Bah, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un endomorphisme, même en dimension N, ait N valeurs propres. Il peut être diagonalisable même avec moins de valeurs propres. C'est pour ça que j'ai mis un nombre plus petit. Il peut y en avoir que deux. Regarde l'exemple qu'on a mis là. Si f carré égale identité, ça peut être dans un espace de dimension 27. Hein. N'empêche, je trouve ça. Ça veut dire qu'elle est diagonalisable. Ça, c'est l'espace propre associé à moins 1, espace propre associé à 1, la somme des deux fait tout l'espace. Donc la matrice, elle s'écrit avec des moins 1 dans la diagonale, autant de moins 1 que la dimension de ça, autant de 1 que la dimension de ça, et boum, elle est diagonale, tu vois. Il n'y en a pas forcément le nombre qui est là. Ah oui, enfin là j'avais mis N, merde, non. Oui, donc c'est pas très cohérent. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. Je comprends pas ta question, Tobias. On n'aurait pas les sous-espaces caractéristiques avec 27 valeurs propres. Bah, pas de problème, c'est juste si il existe un polynomiateur scindé et à racine simple. J'ai peut-être le temps gras, c'est le truc important. Hein. Alors, F est diagonalisable. Oui, donc c'est une généralisation de ce qu'on a dit là. Vous voyez, oh, c'était tiens, un polynôme scindé à racine simple qui annule. Bim. Là aussi, oh, ben en fait, c'est. D'accord. Et alors, c'est équivalent. Là, on n'a pas encore vu, mais si F est diagonalisable, alors d'une certaine base, elle est diagonale. Et donc, il existe un polynôme scindé à racine simple, ça prend le produit de x moins les racines, moins les valeurs propres, ça annule le polynôme. Bon, ça, on ne l'a pas encore vu, il faudrait que j'explique un petit peu, mais c'est équivalent. Hein. F est diagonalisable, c'est seulement si. Il existe un polynôme et un annulateur scindé à racine simple. Ok. Ouais, bah c'est pas. Enfin, oui, je suis pas très. Je suis pas. Enfin, faut quand même l'avoir. Oh, il faut expliquer, voilà. Bref, donc ça c'est une première conséquence du théorème des noyaux. Et la deuxième conséquence du théorème des noyaux, c'est que... Bref, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'espace est toujours... Vous voyez, regardez, oh, bah, regardez, ils sont premiers entre eux, les x moins i puissance, les x moins alpha i puissance mi. Oui, pour chaque i, c'est des polynômes premiers entre eux, s'il y a des puissances de alpha i. Et donc, E est toujours somme des sous-espaces caractéristiques. C'est la preuve. Hein. C'est la somme pour i allant de 1 à p. D'équerre de ça de d'accord? Et me dire bah attends, et alors pourquoi cette dimension ça? Ok, c'est vrai, je ne le sais pas. Hop. Par contre, ce que je sais, c'est que la somme des mi, ça fait n. Pour i allant de 1 à p. Et que la somme des dimensions de ces espaces-là, c'est n aussi. Okay. Alors maintenant, pourquoi, comment je peux conclure? Encore un petit détail qui m'échappe. Purée. Pas à 100% de mes capacités. Hein. Être simple.
Là, il faudrait que je démontre que, oui, que, je démontre que la dimension de ça, c'est plus petit ou égal à la somme des mi. C'est plus petit ou égal, la dimension de ça, plus petit ou égal à mi. Du coup, comme la somme fait n, c'est qu'ils sont tous égaux, quoi. Mais, plouf, 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 je sèche un peu là, purée. Attends, il y a une raison toute simple, je la vois plus. Et l'algèbre linéaire. Je crois que c'est salaud, c'est quand on le prend bien, ça peut facilement passer de impossible à évident quand on le prend bien. Ah ouais, c'est ça, Samy, mais juste plouf plouf. Non, mais d'accord, mais il faut la trigonalisation encore après. Ouais, mais attends, mais je voulais juste te parler un petit peu de ça, moi. Et je m'embarque dans des trucs. R de F est stable par F, ça c'est sûr. Et les espaces caractéristiques sont des espaces stables, parce que ça, de façon générale, K de P de F est stable par F. Là, il n'y a pas d'embrouille. Donc tout ça, c'est des espaces stables, il n'y a pas de problème. Mais, plum plum plum. Hervé, la puce, là, tu sais, ça, quand je compilerai, ça se verra pas. Hein. Ça, c'est juste parce que je suis dans l'éditeur de texte. Hein. M'inquiète. Hein. Te montrer hein, parce que je sens que ça te stresse là. Hop, hop, puis en fait ça me permet de réfléchir un peu en faisant genre je fais autre chose. Plouf, 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 toi ça fait des puces comme ça. Enfin non, je dis ça, tu le vois pas. Te montrer. Ça fait des puces comme ça après, hein, tu vois. Ah, c'est le début du texte, hein. Donc, ça, t'inquiète pas. Bref. Ok, alors. Donc c'est pas si évident que ça, faut vraiment que je parle de trigonalisation, sérieusement, il n'y a pas plus simple, ça m'embête ça. J'aimerais bien essayer de trouver des trucs simples, faire petit à petit, quoi, et comme là. Ouais, Tobias, je suis d'accord, mais comment tu démontres ça? Alors non, E est la somme directe des sous-espaces caractéristiques, Laurence. Ça, c'est pas les espaces propres, attention, hein. Des espaces caractéristiques. C'est les E' alpha i de f. Hein. Coucou Florence, ouais, je suis un petit peu fatigué. Passé une mauvaise nuit. Alors, du coup, toc toc toc, on réfléchit un petit peu, je vais essayer de vous faire sentir ce truc-là le plus simplement possible. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on l'a intégré, et je pense que tout le monde et tous ceux qui connaissent sont après dans mon cas, le truc, une fois qu'on a intégré ça, on le sait pour toute la vie, puis on oublie. Alors, vas-y, MI, la multiplicité maximale de la valeur propre, donc la dimension du caire est plus petite. Bah ouais, mais. Moi aussi, je t'aime Florence, je suis très triste d'aller au Canada, de ne pas pouvoir aller te voir, quoi. Je suis bleu, banane. Dégoûté. Oui, bah bon, bref. Non, je ne raconte pas l'anecdote parce qu'on n'est pas midi, il n'est pas 10h30, mais. Ah, les Canadiens, je les retiens, ils sont un peu cons des fois, je veux dire. Enfin bon. Alors, bref, ils m'ont donné des faux espoirs, ces andouilles. Plouf, alors, Tobias. Pouf, pouf, pouf. Hein. Non mais c'est pas le problème que le Québec soit grand, Florence. Le problème c'est quand tu fais l'université de Laval, t'es à Laval, c'est tout. L'université de La Rochelle, elle est à La Rochelle. Qu'est-ce que cette connerie? Quelle idée de mettre l'université de Laval pas à Laval. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est. Enfin bref. Bon. Et puis hyper loin en plus, à 250 bornes. Ouais. N'importe quoi.
Alors, peut-être qu'il faut prendre la restriction, effectivement. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Hein. On a pris la restriction de F, on a démontré que ça démontre, c'était un espace stable, donc c'était stable, et donc c'était plus petit que ça. Ah, bah du coup, Tom, on fait aussi ça. Alors, du coup, si l'Université de Lyon a un bâtiment à côté de Toulon, autant pour moi, on fait les mêmes trucs. Bon. Alors ça, la somme des dimensions de ça. Moi, je croyais bêtement, Laurence, que l'Université de Laval, c'était à Laval, quoi. Bon, enfin bref. Alors, toc, toc. Ah, par contre, s'il y a des gens dans le chat là qui sont à Québec, putain, je serais ravi de venir boire un pot avec vous. À Toronto, c'est hyper loin, oui. C'est hyper loin. Ma sœur est à Toronto, je sais pas si je vais aller la voir. 700 bornes, c'est compliqué comme tout. Bah, bref. Le week-end, c'est chaud. En vrai, il y a Laval en métropole, mais l'université de Laval, elle est moins réputée pour le coup. Je ne sais même pas si ça existe. Alors. J'essaie, vous voyez, dans ma tête, il y a des trucs qui. Je suis parti sur Jordan, tout ça, machin. Je vois bien des raisonnements qui marchent, mais qui sont ultra compliqués. J'aimerais bien un truc hyper simple, parce qu'on est censé être avec les gars qui reprennent. Ils sont en train de. Déjà, là, c'est des notions complexes hein, qu'on est en train de faire. On se dit, oh là là, ces sommes directes, ces machins, ces trucs, déjà. Somme espace, espace propre, etc. Machin truc. Donc là, on a une somme de ça. Alors, comment ça se passe? Bon, alors, ce qu'il faut bien visualiser, c'est que. Si je prends la restriction de F à l'espace caractéristique, c'est un homomorphisme nilpotent. D'accord? Bon, ça me dit, bah oui, parce que R de F moins I alpha I identité puissance mi, bah du coup, ça veut dire que F moins alpha I identité, c'est nilpotent, parce que la puissance mi, il vaut 0, il vaut le vecteur nul sur cet ensemble-là. Mais. Et donc, ah voilà, l'indice de nilpotence d'un homomorphisme, c'est toujours inférieur ou égal à la dimension de l'espace. Ça marche bien. J'ai l'impression que donc mi est plus petit que la dimension de l'espace. Et donc si toutes les dimensions sont plus petites, comme la somme des dimensions, ça fait n, ça va marcher. Ah voilà. Donc ça me l'air relativement simple. Regardez. Donc si G appartient à L de, je sais pas moi, F. Un espace vectoriel, ok, est nilpotent, où F est un K espace vectoriel de dimension finie, et si il existe un K appartenant à N étoiles, tel que G puissance K soit égal à l'application nulle F, donc G N nilpotente. Hein. L'application énergie est nilpotente, si x est un k tel que g puissance k se révèle, alors k est plus petit ou égal à la dimension de f. Voilà, alors ça, on va essayer de démontrer ça.
Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est assez simple, parce que, hop, on a déjà vu si lambda est une valeur propre de G, alors tout polynôme qui annule G, polynôme annulateur de G, admet lambda pour racine. D'accord? Donc là, j'ai un polynôme qui est x puissance k qui annule G. Donc, x puissance lambda est une racine de x puissance k. D'accord? Donc, autrement dit, lambda puissance k est égal à 0. Donc, comme k est un corps, hein, il n'y a pas d'élément nilpotent là-dedans, hein, c'est intègre. Donc, lambda égale 0. La seule valeur propre de G, c'est 0. Et alors? Donc, le polynôme dans le cas minimal, évidemment, c'est le cas minimum, ça. Non, c'est, ah ben, je peux en prendre un plus grand. Bah ben oui, non, mais d'accord. Si ça marche pour un cas, ça marche pour tous les cas plus grands. Ah, je peux trouver un cas qui marche avec k bien plus grand que guine de f. Oui, non, mais d'accord. Donc, si je prends le plus petit, hein, tel que l'indice de nilpotence, quoi. Hop. Alors, k est plus petit que d, ben pourquoi? Donc, le polynôme minime caractéristique de G, ben, vu qu'il n'y a que 0 comme valeur propre, ben, c'est x fois x fois x fois x fois x fois x fois x, combien de fois? La dimension de l'espace. C'est x puissance dim de f. Et d'après Kelly Hamilton, je rappelle que le polynôme caractéristique, ça on ne l'a pas démontré, hein. Hop, mais bon, j'ai fait une vidéo pour le démontrer, c'est un petit peu pénible. Le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur de G. Donc G puissance dim de f est égal à... Et donc comme k, c'est le plus petit qui doit vérifier ça. Donc k est inférieur ou égal à dim de f. Ouf. Ok pour tout le monde, ça va jusque-là? Donc on applique ça. AG égale F moins alpha I identité. Et grand F égale l'espace propre, donc E prime alpha I. De f ok et donc le plus petit élément qui annule g comme g puissance ami est égal l'application de U sur F, hein, puisque c'est fait pour, regardez. Hein. Les F, par définition, E prime alpha i, je veux dire, par définition, cet espace F, c'est l'ensemble des x tel que F moins alpha i identité de mi de x soit égal à vecteur nul. D'accord? Donc sur cet espace-là, cette application-là, sur K de L, bah, cette application-là, c'est l'application nulle. Donc G, celui-là, à la puissance mi, c'est l'application nulle de L de F. Donc le plus petit K qui annule est plus petit que mi. D'accord? Oui, mais alors je ne sais pas que c'est le plus petit k qui annule. Mais il est plus petit que mi. Et le plus petit k, il est aussi plus petit que dim de f. Ça prouve pas que mi est plus petit que dim de f, cette affaire. Merde. Merde. Vous voyez, ça c'est important, je veux dire, regardez, hein, parce que ça c'est ce qui m'arrive là. Ça nous arrive à tous. Là, il y a deux options. Il y a les mecs qui disent, merde, c'est pas le bon sens, je bidouille. Donc, mi est plus petit que dim de f. Non, mais non. Vous voyez ça? Ça va se voir. Ça va se voir et ça ne va pas plaire au correcteur. Typiquement, là, je suis en train de corriger. Je ne sais pas si Valentin écoute, mais on va dire qu'il n'écoute pas.
En train de corriger mes copies de dernier contrôle continu de mes L2 et j'ai un charmant étudiant qui ne justifie que très très peu ces questions. Donc genre il balance les résultats directs comme si genre je les ai fait sur le brouillon, je balance les résultats et puis accessoirement il répond à des questions que j'ai pas posées. En plus, des questions dures, hein, que je n'ai pas posées parce que c'était dur. Il balance les résultats comme ça. En une ligne, alors que moi, il me faudrait plusieurs lignes de calcul pour les faire, d'accord? Enfin, admettons qu'il les fait au brouillon. Et donc, des résultats vraiment durs, et il trouve les résultats directs. Bon, ok, tout est bon, hein, tout ce qu'il met, c'est bon. C'est même pas demandé, mais il trouve des résultats que j'ai pas demandé qui sont corrects, okay? Et tout d'un coup, quand il justifie un endroit, donc il trouve un truc, il dit oui, on fait le changement de variable, on trouve ça, c'est le bon résultat, mais c'est pas sur la copie. Et donc, je trouve ça un peu bizarre. Et puis après, je tourne et dis, ah, finalement, il y a un truc qu'il essaie de justifier, et sa justification, c'est n'importe quoi. C'est tout faux. D'accord? Il finit par expliquer, tiens, F de 0, ben, en fait, on fait comme ça, et ce qu'il fait, c'est vraiment super faux et vraiment très faux. Enfin, je veux dire, il y a une grosse faute de logique, quoi. Et du coup, vu que l'exo que j'ai donné, ben, je l'ai tiré d'un site d'exo, enfin, je veux dire, ouais, c'est un exercice classique. J'avais sabré les questions les plus dures. Lui, j'ai l'impression qu'il le connaissait et qu'il a recopié même les questions dures et connaissait tous les résultats, mais il ne connaissait plus les preuves. Et il a essayé de m'enfumer comme ça en mettant plein de résultats co corrects. Vous voyez, et, enfin, en tout cas, c'est vraiment l'impression qu'il me donne. Je peux pas, je suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il a fait en vrai. Mais sa copie donne l'impression que genre, je connaissais les résultats de l'exo par cœur, mais je ne sais plus vous les démontrer. Donc, j'ai balancé tous les résultats pour faire genre, je suis très fort et je ne fais aucune démonstration. Et quand j'en fais qu'une, elle est fausse. Bon, ben, moi, j'ai envie de mettre zéro à l'exo, hein, je dis clairement, quoi. Alors que tous les résultats sont justes. Hein. Mais il n'y a rien de justifié, et quand c'est justifié, c'est faux. Donc moi, je pense que ça vaut zéro, en fait. Bref, mais donc voilà. Donc faut pas arnaquer, parce que ça se voit. Enfin, là, c'est un autre genre d'arnaque, mais ça le fait pas, quoi. Il aurait mieux fait de rien justifier du tout, j'aurais eu le doute, oui. Bon, bref. Et donc, merci pour les commentaires. Alors ça, j'explique pourquoi lambda puissance k égale 0, c'est facile, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Petite parenthèse sur les polynômes annulateurs, c'était où? Ici, si P est un polynôme annulateur de F, d'accord? Si P de F égale vecteur nul, et si lambda est une valeur propre de F, alors P de lambda égale 0. C'était ça. J'ai expliqué ça, hein, c'est tout con. D'accord? C'est complètement con. Hein. Mais du coup, j'ai appliqué ça ici. Donc je réexplique dans le cas particulier, c'est très con. Hein. Si G de X égale lambda X, bah, du coup, G2 de X est lambda au carré de X, G3 de X est lambda au cube fois X. Donc g puissance k, c'est lambda puissance k de x, mais comme g puissance k égale 0, lambda puissance k, c'est égal à 0. Alors, on va essayer de trouver. Ça arrive à tout le monde de plus se rappeler un truc, d'accord? Ça se trouve, je suis parti sur une fausse piste. Hein. Ça a l'air de marcher, tu vois, dans ma tête, là, il y a deux de tension ce soir. J'ai vu le début, je dis, ouais, ça va arriver à la fin, on va trouver qu'ils sont plus petits. Parce que je vous rappelle quand même que ce que je sais, c'est que la somme des mi, c'est n, et que la somme des dimensions de ça, c'est n. Ça, je suis sûr, parce que la dimension de ça, c'est n. Donc la somme des dimensions de ça, c'est n, d'accord? La somme des mi, c'est n. Donc si je démontre qu'il y a une inégalité, ça prouve forcément que chaque dimension de ça est égale à mi, quoi, oui. Il n'est pas encore 10h30, j'attends la bière. Parce que là, après, alors je vais te défracter, ça va être encore plus dur. Je pensais que ça suffisait pour démontrer ça. Ah, je l'ai. Alors voilà, je l'ai. Alors c'est un peu plus subtil que ça. Voyez, j'ai trouvé. Alors je vais essayer de vous expliquer. C'est une vacherie, cette connerie. Parce que comment ça se passe, cet espace-là? Vous voyez, cette histoire-là, comment ça se passe? Au début, on a l'espace propre, la carte de F moins alpha identité,
D'accord, qui est inclus dans R de F moins alpha I identité au carré, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, à un moment, ça s'arrête. Mais peut-être avant, Ami. Vous voyez? Peut-être après, ça bouge plus. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a un indice à partir duquel ça ne bouge plus. D'accord? Au bout d'un moment, ça n'augmente plus, parce que ça n'augmente pas jusqu'à l'infini, hein, surtout si on est en dimension finie. Donc là, vous voyez, c'est un espace de dimension finie. Au bout d'un moment, ça stabilise. Et une fois que ça n'augmente plus, ça n'augmente plus jamais. Ok? Alors, ça vous dire, oh là là, c'est pas clair, je suis d'accord, il faudrait que je vois cette histoire d'indice de Fitting, il faudrait que j'explique cette histoire-là. Mais du coup, là, si je prends en fait la plus petite valeur où ça vaut 0, après, ça n'augmente plus. Et donc, le cas, la dimension de ça, c'est la dimension de ça pour un certain cas pour lequel ça n'augmente plus. Vous voyez? L'indice est plus petit que mi, et la dimension de ça va être. Vous voyez, donc il faut que j'explique ça. Je vais me dire, bah oui, mais là, ok. Si c'est la plus petite valeur telle que ça, ok. La plus petite valeur telle que j'ai puissance k égale vecteur nul, elle est plus petite que dimension de f, donc elle est plus petite que dimension de ça. Ok, que je ne connais pas. Mais après, ça ne bouge plus. La dimension de ça, c'est la même que la dimension de k de f moins alpha identité puissance ki, vous voyez, où ki, c'est la petite valeur telle que ça, mais nulle. Parce qu'après, ça n'augmente plus. Oui, c'est ça, la suite des noyaux itérés. Si on est en dimension finie, au bout d'un moment, forcément, les espaces propres ne vont être pas strictement inclus les uns dans les autres. Hein, parce qu'en dimension finie, forcément, il y a un moment où ça stabilise. Hein. Donc, c'est ça l'astuce. Comment je rédige ça, forcément? C'est un peu chiant. Salut Jérémy. Jérémy, élève de L3 à l'Université de La Rochelle. Comment j'explique ça, mon machin? Je me galère bien comme il faut là. Mi forcément plus grand que l'indice de Fitting, Samy. Va te me dire, je ne l'ai pas encore démontré. Oui, mais j'ai l'impression, Ose, que je pouvais me ramener au truc de. J'avais l'impression que je pouvais me ramener au truc justement nilpotent, toi, parce que tu dis qu'R, moins alpha, identité, puissance m, ben, non seulement elle est trigonalisable, mais en plus, il n'y a que 0, elle est nilpotente. Et donc, si qu'R de f moins alpha, identité, machin, la dimension de ça est plus grand que m, on a une absurdité, alors pourquoi? Pas exactement ce que tu dis en fait, c'est pas juste ce que j'ai écrit là, tu vois, c'est pas juste ça là. Mais j'arrive pas à le faire. Alors là, on dirait que l'inégalité est dans le mauvais sens, j'arrive pas à le faire tourner.
Réfléchis à ce que tu dis, Oz. Hein. De trouver un truc simple, j'arrive pas à m'en sortir. J'ai pas envie de parler d'un dance de fitting quand même. Je vais trouver un truc plus simple que ça. Donc je vais sans doute être obligé de montrer qu'on met ça fichier trigonalisé parce qu'on n'a pas vu encore, mais je crois que je vais être obligé en fait. Parler de trigonalisation là, oh là 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 là. Je comprends hein, ce que tu dis, oh, ça marche bien. Alors j'essaye juste de le faire tourner, j'essaye de trouver une astuce pour essayer de le faire sans dire qu'on peut trigonaliser parce qu'on l'a toujours pas fait. Et puis c'est pas que c'est très dur, mais enfin toi, ça demande. Déjà, j'ai déjà fait je voulais expliquer cette histoire-là. Bim, je suis parti d'ailleurs avec le lemme de noyau. Alors après, si je pars sur la trigonalisation, toi, bon, j'aurais peut-être dû partir dans cet ordre-là. Je fais tout dans l'ordre inverse, mais f moins alpha i, une hypotenuse sur carte de f moins alpha i puissance m i, ça, on est bien d'accord. Donc son indice de nilpotente est plus petit que la dimension de ça. Ok. Mais pourquoi Mi est plus grand que ça? Je comprends pas. Bah, ce qu'on a trouvé, c'est ce qui est. Non mais c'est pas que c'est pas bien, c'est. J'applique ça à G qui est nilpotent, à F qui est ça. Je trouve que G puissance Mi égale ça. Le problème, c'est que G puissance Mi, c'est plus grand que la plus petite valeur qui annule ça. Et dimension de M de F, c'est aussi plus grand que K, la plus petite valeur qui annule G. Donc je trouve que MI et dim de F sont tous les deux plus grands que la plus petite que l'ordre de G, oui, que l'indice de nilpotence de G. Que le plus petit K tel que G puissance K égale vecteur nul. Et ben MI est plus grand et dim de F aussi. Et du coup, je ne peux pas comparer dim de F et MI, vous voyez. Ok, Émilie. Et j'attends de tes nouvelles pour la fête. Et donc, Henri, je ne comprends pas comment tu expliques ça, en fait. Sans trigonaliser, bien sûr. Ah, j'ai un message de Guillaume qui me dit qu'il vient pas ce soir. D'autres messages, non? On est sûr, Henri, je suis d'accord. Bah écoute, faudrait que je prenne du temps, Emma, je suis d'accord. Alors, ça, on l'a vu, Alex, le poème caractéristique de la réflexion à F, un sous-espace stable, ça divise le poème caractéristique du X, ça, on l'a démontré la dernière fois. Ça suffit, ça? Ça va marcher, ça? On fêtera l'ENAC de Tobias la semaine prochaine.
Bonne nuit Céline. Alors, ça a peut-être marché ce que vous racontez les petits gars là. Oui, c'est la première. Henri, c'est la première inégalité que je comprends pas. Le reste, ça roule tout seul, mais je comprends pas pourquoi tu dis qu'Ami est plus grand que dimension de quart de ça. Ouais, je suis parti de travers. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Des fois, tu sais, os, quand on part de travers, voilà, peut-être des fois, il faut mieux tout péter et recommencer que d'essayer d'arranger les trucs là. Je suis mal parti hein, ce matin. J'ai voulu parler de ça d'abord. Pourquoi j'ai voulu démontrer ça à ce moment-là d'ailleurs, hein? Pourquoi j'ai voulu démontrer ça? En fait, ça, c'est une conséquence. J'aurais pas dû montrer ça à ce moment-là. J'ai voulu faire le malin en les parlant des espaces caractéristiques et tout, mais en fait, j'aurais pas dû vous montrer ça à ce moment-là, quoi. Donc. Donc on va zapper ça. Pour le moment. Ça, on va le zapper. Par contre, on va laisser ça. Ça, c'est intéressant. On verra plus tard. Allez hop, quand on aura fait la trigonalisation et tout ça. Donc les espaces caractéristiques, on va se dire, les espaces propres sont inclus dans les espaces caractéristiques. On ne sait pas encore que leur dimension c'est égal à la multiplicité de la valeur propre parce que c'est un peu galère. Mais en tout cas, E est toujours, si le polynôme caractéristique est scindé, la somme des espaces caractéristiques. Okay? Alors ce n'est pas les espaces propres, hein, donc on se dit, bon, du coup, on ne voit pas forcément l'intérêt de ça. Ce qu'on va voir, c'est que là, sur les espaces propres, pour n'importe quelle base de l'espace propre, f était toujours diagonale, parce que R de f moins lambda i identité, f de x égale lambda x, quelle que soit la base que je choisis. Et ben, nous verrons que si on choisit une base relativement sympathique des sous-espaces caractéristiques, alors dans une base bien choisie de ça, f est triangulaire supérieur ou inférieur, enfin ça c'est une exposition, on va dire triangulaire supérieur, et que du coup, si le polynôme caractéristique est scindé, alors E est trigonalisable. D'accord? On verra ça plus tard. On peut choisir une base telle que F sur ce truc-là, ce n'est pas diagonale. Ben non, il n'y a pas de raison si ce n'est pas, si c'est pas un espace propre. Hein, si le MI il est strictement plus grand que 1, ce n'est pas diagonale. Mais n'empêche qu'on verra quand même qu'on peut trouver une matrice triangulaire supérieure. Mais voilà, comme ça, allez hop. Alors, Samy, il a trouvé quelque chose. Ah, je ne sais pas comment tu sais que le polynôme caractéristique de la restriction, c'est de cette forme-là. Parce qu'il n'y a que ça comme racine. Ok. Ouais, ça doit marcher. T'as raison, Samy. Je pense que ça marche. Silence. Non, Samy, ce que tu as dit, ça marche. Mais ça, on l'a déjà vu. Déterminant par bloc stabilité, on l'a vu la semaine dernière. Oh, c'était pas là. J'ai déjà utilisé, en fait. Bon, alors, j'ai pas fini ma preuve du théorème des noyaux, quand même. Oh, puis il est l'heure de la bière, là. Là, j'avais plein d'exemples, mais j'ai pas fait la preuve de ça. Faut quand même que je fasse la preuve de ça. Hein. Allez, après, j'aurai le droit à la bière. Alors, hop. Je fais même pas mon exercice là. Hop. Donc il faut montrer. Hop, ça. Si P et Q sont un peu premiers entre eux, alors E égale ça plus ça.
Donc on va déjà montrer que l'intersection est vide. Si X appartient à Ker de P de F, intersecté avec Ker de Q de F. Alors, P de F de X égale au vecteur nul. Et Q, en fait c'est après, j'ai de la merde, on va faire d'abord l'autre sens. Hop. Si X appartient à E, il faut déjà, alors il faut écrire on cherche à décomposer x comme une somme de deux trucs. Alors on va dire, je sais pas, indice p plus indice plus x indice q avec p de f de xp. Ouais, égal au vecteur nul de E, d'accord, donc un polynôme dans Ker de P de F et un polynôme de Q de Ker de Q de F c'est pas simple, d'accord. Oh là là, comment on va pouvoir faire ça? C'est là on se dit, mais attends, mais comment tu vas réussir à faire que n'importe quel élément, je veux démontrer ça, hein. N'importe quel x dans E, il faut que je trouve un élément de Ker de PF plus un élément de Ker de Q de F qui fait E. Et là, on se dit, mais il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, voilà. Et c'est. Ok, la seule. Alors, l'idée, donc toujours pareil, si on fait la synthèse, vous voyez, comme la dernière fois, j'ai essayé de faire l'analyse synthèse. On se dit, bon, alors, si je veux ça, il faut que P de F de x soit égal à P de F de xq. Et que Q de F de X soit Q de F de XP. C'est une belle jambe. Je ne vois pas forcément bien comment on va réussir à faire ça. Oui. Et l'astuce de la mort, c'est la relation de Bézout. Ouais, ce théorème, là, si on ne l'a jamais vu, c'est dur à deviner. Hein. Je sais pas comment ils ont fait les premiers. Très fort. Donc il existe deux polynômes U et V. Comme P et Q sont premiers entre eux. Tel que UP plus VQ soit égal à 1. Mais alors, on place tous les x ici, alors là c'est u de x, p de x, vous voyez c'est u de x fois p de x, plus v de x fois q de x, égale à 1. Ok? Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que si je remplace par f, ça veut dire que u de f, p de f, plus P de F fois P de F. Alors je devrais même l'écrire dans l'autre sens, en fait, si je suis un petit peu plus logique. Il après UP VQ, les polynômes c'est commutatif, hein, donc c'est pareil que PU plus QV. A priori, c'est commutatif aussi, du coup, mais ça ne se voit pas forcément, ça c'est des endomorphismes, vous voyez, des matrices, au sens du où est-ce que le produit est commutatif? Bon, là oui, parce que c'est des polynômes en F à chaque fois, égale, hop, identité. Ok? On dit identité, on n'est pas dans les matrices, on est dans les applications linéaires. Donc, si j'applique ça à x de chaque côté, donc quel que soit x
appartenant à E, on a bah, identité de x, c'est x, est égal à P de F de U de F de X plus U de F de V de F de X. D'accord? Mais la grosse astuce, c'est que hop, hop. Voilà, je vais les appeler x indice q plus un xp, x indice p. Pourquoi? Parce que, grosse astuce, ben si je fais q de f, q de f de xq, alors ça devient le bordel, hein. Q de f, 2 p de f, 2 tout ça. Eh bien, l'astuce de la mort, c'est que c'est commutatif, hein, l'évaluation les polynômes. Un polynôme de f fois p de f fois le polynôme q de f, c'est le polynôme pq de f. Donc, q de f de ça, c'est pq de f, ou qp de f en l'occurrence, mais dans le même ordre, c'est qp de f de u de f de x. Donc ça, c'est un vecteur, u de f de x, mais je m'en fous, parce que qp de f, c'est le polynôme nul. Donc ça, c'est le vecteur nul. Et pareil, p indice f de x, p, hop, c'est égal au vecteur nul de e. Donc, on a bien x indice q qui appartient à ker de q de f. Et qui appartient au ker de q de f. Donc j'ai bien la somme. On a montré que E est égal à la somme ker de P de F plus ker de Q de F. OK? Voilà. Et alors maintenant, ce que je vais garder là, hop, parce que je n'ai pas encore la somme directe, maintenant si X appartient à ker de P de F inter Q inter. C'est que tu es avec Q de F. Alors, tout ça, P de F de U de F de X, ben en fait, c'est U de F de P de F de X. C'est 0. Les polynômes, ça commute, c'est U fois P, hein. P fois U, c'est pareil. C'est U de F de P de F de X, mais ça, c'est le vecteur nul, parce que X est dans le ker de P de F, et donc U de F du vecteur nul, c'est vecteur nul, plus P de F de Q de f de x, mais justement Q de f de x est aussi égal à vecteur nul, puisqu'il est dans le ker de Q de f, ça c'est égal à vecteur nul, plus vecteur nul, est égal au vecteur nul. Donc si x appartient à ça, alors tout ça c'est égal à vecteur nul, mais tout ça c'est égal à x, je vous rappelle. Et donc x est égal à vecteur nul. Donc la somme est directe. Boum! Voilà, pouf! Allez, on a bien mérité une petite bière.
Bravo à vous si vous êtes encore là, parce que c'est vrai que c'est un peu rébarbatif cette affaire. Alors oui, le théorème est ultra puissant, donc la démonstration est un peu chiante, mais c'est quand même super dingue ce théorème. Ça démontre des tonnes de trucs dans tous les sens, enfin il est vraiment super. D'accord? Ça va démontrer donc que toute matrice sur C est trigonalisable et tout ça, donc okay, la preuve est un petit peu technique, on dit oh là là, comment on a pu penser à un truc pareil, mais après c'est vraiment hyper fort quoi. D'accord? Alors Samy, je vais te l'expliquer. Tu n'as pas compris pourquoi les évaluations en ligne du dessus valent 0. Donc XQ c'est lui, hein. Q2F de lui, ça fait Q2F de P2F de U2F de X, mais en fait quand tu fais ce qu'il faut comprendre, ce qui n'est pas du tout évident, hein, mais c'est que P2F de Q2F de d'un X, c'est pareil que Q2F de P2F d'un X, et c'est pareil que P fois Q de F de X. D'accord? Pas évident, mais c'est par linéarité, hein, parce que tu vois, si tu fais x de p de x de f, bah, c'est-à-dire tu fais f de p de f, ça augmente tout d'un cran, c'est pareil que si tu fais p de x, p de f de f de x, en fait. C'est parce que le x, tu peux le mettre d'un côté ou de l'autre, et donc par linéarité, en fait, p de f fois q de f1, c'est le truc important. Donc je vais le remettre ici, hein. Hop. Il faut comprendre. Alors ça se démontre en faisant par les monos mais par linéarité, hein, que quel que soit P et Q appartenant, le point clé est là. Hein. P de F, rond. Je vais mettre un rond pour bien insister que c'est la composée, même si c'est un produit. On dit f carré, on fait un produit sans insister, ça veut dire que c'est la composée. Hein. Mais hop, P de F rond Q de F est égal à Q de F rond P de F. Et en fait, c'est égal à PQ de F. Qui est égal à QP de F, parce que PQ égale QP, vous voyez, c'est pour ça en fait. C'est le truc vraiment important. Ok? Oui, alors l'hypothèse c'est que PQ est un polynôme annulateur, oui. D'accord, ça c'est important. Son premier entre eux est PQ de F, ça fait vecteur nul. Je vais mettre G pour pas qu'on confonde avec l'hypothèse de l'énoncé là. Bref, donc l'espace caractéristique, c'est ça. Et d'après l'aime de noyau, on a cette dimension-là. Et voilà, je ne vais pas partir plus loin parce que j'aurais quand même peut-être répondre à la question 4. Parce qu'on demandait de déterminer les sous-espaces caractéristiques de A. Donc, alors, revenons à un mouton. Donc, les sous-espaces caractéristiques, et bien, du coup, c'est qu'R de A moins deux identités. Ok, bon, ça on s'en fout, parce que c'était un espace propre. C'était longtemps, l'exercice 10. Donc voilà, donc dimension de ça, ça, hop, le polynôme caractéristique, c'était ça. Donc pour 2, dimension 1, c'est l'espace propre, il n'y a pas de problème. Et donc l'espace caractéristique, c'est qu'R de A moins identité au carré. Vais reprendre une notation. Si elle n'est pas donnée, il faut mieux le dire, hein, au début de l'énoncé, votre notation pour les espaces caractéristiques. Donc pour. C'était 2F, mais en fait c'est égal à E indice de 2F, c'est l'espace propre, c'est dimension 1, tout ça, donc là il n'y a pas de problème. Et l'espace caractéristique E', pour la valeur propre 1 de F, et ben c'est égal à R de F moins identité au carré. On peut développer, si vous voulez, hein, c'est qu'R de F carré moins 2F plus identité, mais c'est pas obligé du tout. Hein. Ok?
Okay. Et donc, c'est K de la matrice. Alors, il faut calculer. Là, pour le coup, il faut calculer. Hein. Faut le faire. Donc, A moins identité. Je crois que je l'avais noté tout à l'heure. Donc, la matrice de F moins identité au carré, bah, cette matrice-là au carré. Je suis en train d'oublier la bière, moi. Hop, hop, ça ne va pas du tout. Bon, je finis cet exo parce qu'il y en a qui voulaient quand même, qui attendaient depuis longtemps. Et puis après, on fera une petite pause bière et je ne sais pas si on reprendra après. Du coup, on verra. Bon, ouais. Donc, ça au carré. Alors, cette matrice au carré. Hop, alors, calculons cette matrice au carré. Ça ne doit pas être bien dur. Alors, cette matrice fois une autre, ça veut dire recopier la dernière ligne en haut. Donc ça commence par 1, moins 1, 0. D'accord, hein? Si je multiplie cette matrice-là par A, B, C, D, E, par n'importe quel coefficient, la première ligne pour la première colonne, je garde le dernier, d'accord? Je garde la dernière ligne, hein? Donc ça fait ça. Ok. Ensuite, alors là, c'est un peu plus dur. Il faut faire moins 1 fois la première plus la somme des deux autres. Donc moins 1 fois 0 plus la somme des deux autres, ça fait 0. Ok, jusque-là, tout va bien. Moins 1 fois la première, la somme des deux autres, ça fait 0 aussi. Moins 1 fois celle-là, la somme des deux autres, ça fait 1. Moins 1 et 1, ça fait 0. Ok, jusque-là, tout va bien. Ensuite, cette ligne-là, fois, donc ça fait une fois moins 1, 0. 1 moins 1, 0, donc du coup, ça fait 1. Voilà. 1 moins 1, 0, ça fait moins 1. Et 1 moins 1, 0, ça fait 0. Ok, donc on obtient une matrice de rang 1, ce qui est normal. Vous avez bien compris, la dimension de l'espace caractéristique, c'est 2. Donc le rang, donc la dimension du quart de ça, le rang de ça doit être 1, puisque la dimension de ça, quart de ça, c'est 2. D'après le théorème que j'ai essayé de vainement de vous démontrer. Hein, parce qu'on sait que la somme de ça, c'est dimension 1, et la somme de deux dimensions, c'est 3. C'est la somme de tous les espaces caractéristiques, le polynôme caractéristique est scindé, tout ça, donc là, donc dimension de ça, c'est 2, donc le rang de ça, c'était 1, on le savait déjà. Okay. Et donc voilà, donc maintenant, c'est pas dur de trouver des équations, enfin, on demandait des quoi, des bases. Donc, R. E A moins identité au carré des matrices, donc c'est un grand I égale, allez, alors comment on décrit ça? Faut trouver des vecteurs qui sont, bon c'est pas dur, hein. Allez, il faut trouver des combinaisons linéaires de ces vecteurs-là, c'est quand même ultra simple. Par exemple, une fois la dernière, ça marche, donc 0,0,1. Celui-là, il est bien, il est dedans. Il nous faut un deuxième vecteur qui soit libre, hop, avec lui. Donc, allons-y, et qui s'annule. Donc là, c'est très simple aussi, parce que je vois que c'est... Oh, celui-là et celui-là, ils sont opposés. Donc, 1, 1, 0, ça a l'air de très bien marcher. Alors, pour ceux qui disent, mais comment ils voient ça? Alors, je vous rappelle qu'il est très important de bien se rappeler que x, y, z fois une matrice, matrice quelconque, hein, fois x, y, z, c'est-à-dire x fois ce vecteur-là, plus y fois celui-là, plus z fois celui-là. D'accord? Donc trouver les x, y, z qui sont dans le quart de ça, c'est-à-dire trouver les combinaisons linéaires entre les colonnes. D'accord? Donc trouver ces trois colonnes, là, des combinaisons linéaires avec des coefficients non nuls qui font 0. Vu qu'il y a la colonne 0 ici, bah, 0 fois celle-là, 0 fois celle-là, et n'importe quoi fois celle-là, ça marche, ça fait 0. Donc j'ai mis 0, 0. Hein. Ensuite, j'en ai trouvé une autre, celle-là, je peux mettre n'importe quel coefficient, on s'en fout, elle vaut 0. Donc, ok. Et donc celle-là... Plus celle-là, ah, bah, ça fait 0, plus n'importe quoi celle-là. Alors là, j'ai mis 1, 1, 0, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi là. 1, 1, 4, ça marche très bien. Ok, et donc voilà une base de vecteur de Kerr de A moins 2 et moins I3 au carré. On peut aussi résoudre le système, hein, je veux dire, pour résoudre ça fait x moins y égale 0, x moins y égale 0. Vous avez le système, z peut valoir n'importe quoi, x égale y, bah voilà. Vous allez trouver, hop, ça comme solution. Oui, alors là, tu comprends. Oui, Oz, je viendrai là-dessus quand je parlerai de Dunford, régularisation, tout ça. Pour le moment, je ne vais pas essayer de pas trop embrouiller les gens. Mais... Ah, fais gaffe, Samy, tu t'es gouré. Oui, t'avais mis un moins 1.
Alors ensuite, question 4, détermine une base de R3 dans laquelle la matrice up associée à A est de cette forme-là. Donc là, effectivement, il va falloir en chier un petit peu. Alors non, en fait, je crois que ça peut être. Alors là, c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu, parce que là, les deux que j'ai pris, il y a peu de chances que ça marche. Enfin, ce serait vraiment un coup de bol. Mais l'astuce, c'est qu'effectivement, donc on va prendre un espace, un vecteur propre au début, un qui est dans le quart de ça, hop, on obtiendra bien la colonne avec les zéros, les. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu là? Connerie. Donc hop là, j'arrive à sélectionner les colonnes là. Non, on voit la souris, mais. Bref, donc. Oh, désolé, j'ai eu mal. Bref, donc, ça c'est. Ok, vecteur propre associé à 2, la première là, x1. Okay, donc là, l'espace il n'est pas dur, le vecteur il est là, on l'a trouvé. L'espace propre associé à 2, dim de ça, c'est égal à ça. Ah non, on n'a pas trouvé de base. Et sinon, l'autre, on peut prendre ça. Là, ça fera bien le 0, 1, 0. La question, c'est comment on trouve ce vecteur-là, le dernier là. Il faut que f de e3 soit égal à e3 plus e2. D'accord? Donc là, il faut réfléchir un petit peu. Comment on va trouver un vecteur? D'accord? Donc on cherche. Ça, c'était la question 3, en fait. Le numéro à cet endroit-là, parce que là, sinon, le numéro 3, c'est. Hop. Quand est-ce qu'il arrive? Voilà, la question 3, elle arrive. Bon, ok. Question 4. Donc, on cherche E1, E2. E3, tel que. Donc, si vous avez bien compris les matrices, c'est très important. On cherche les matrices hein, telles que des vecteurs E1, E2, E3, tels que f de E1, ce soit égal à 2E1. D'accord, donc, E1 qui doit être. Donc, R de f moins. Deux identités. Donc ça, on a résolu hein, déjà. Hop, hop, c'est pas trop dur. Matrice de départ, moins deux identités, tout ça, on va trouver une base. Non, on va pas trouver une base de vecteur propre, ça n'existe pas, parce que c'est pas diagonalisable. D'accord? Donc ça va. Puis, E2, on va regarder la matrice, il faut que F de 2 soit égal à E2. Hein? F de 2 soit égal à 0,1 plus 2 plus 0,3. Alors ça, on va trouver, on peut trouver, on prend dans le quart de ça, un vecteur qui est dans le quart de ça, c'est pas ça qui manque, c'est dimension 2, ça. C'est dimension 1. Non, ça c'est dimension 1, le quart de ça, c'est de rang 2, donc le quart de ça, c'est dimension 1. Donc on va trouver un vecteur là-dedans. On l'a trouvé tout à l'heure, je crois d'ailleurs. Non, on l'avait mis, non? Hop, hop. Voilà, c'est vecteur de 1, 1, 0. Donc on pourrait prendre 1, 1, 0. De toute façon, ce sera forcément un multiple de 1, 0. Hein. C'est dimension 1. Donc jusque-là, tout va bien. Hop, hop. C'est l'autre qu'il faut trouver après. Je ne sais plus si on avait trouvé ça. Ouais, je sais, je sais. Je vais essayer d'expliquer. Donc ça, c'est pas dur. Et finalement, E3, tel que f de E3 soit égal à E3 plus E2. Alors dire, mais ça c'est dur, a priori. Trouver des vecteurs propres, ça va bien, mais comment trouver un E3? Là, je choisis au hasard.
Pour tel que F2-E3 soit E3 plus E2. Alors l'astuce, en fait, c'est que si F2-E3 c'est E3 plus E2, alors, eh ben, F2-E3 moins E3 égale à E2. Vous allez me dire, super, on avance avec ça. Ben oui, parce que si on y réfléchit bien, ça c'est pas mal. Pourquoi? Parce que, du coup, je choisis E3 n'importe comment. Donc si on choisit E3, alors évidemment E3 qui n'est pas dans le quart de F moins identité, hein, parce que c'est pas égal à, qui n'est pas un vecteur propre. E3 qui n'est pas un vecteur propre, n'importe lequel, d'accord? Okay, donc qui n'est pas dedans. Alors, non, non, qui n'est pas un vecteur propre, enfin, donc qui est, faut le prendre dans l'espace caractéristique quand même. Donc on vient de trouver qu'R de F moins identité au carré, hein, c'est vecteur de ça et de ça. Donc je prends un E3 qui est là-dedans n'importe comment, parce que je vois pas comment je pourrais le choisir a priori. Et on prend E2, on choisit E2 pour que ça marche, vous voyez? Et justement, qui est égal à F moins identité de E3. Bon, donc du coup, la dernière ligne marche. Dire, ah oui, d'accord, mais comment tu sais que pour E2, du coup, ça marche? Comment tu sais que tu as pris un vecteur propre de... Comment tu sais que E2, il va marcher, que F2-E2 sera égal à E2 si tu le choisis comme ça? D'accord? Pourquoi? Parce que du coup, et là, grosse surprise, il n'en est pas une en fait, F moins identité de E2, pourquoi ça ferait 0, E2, on ne sait pas ce que c'est, bah, sauf que c'est F moins identité de F moins identité de E3. Donc c'est F moins identité au carré de E3, et ça tombe bien, E3, on l'avait pris dans K de F moins identité au carré. Et donc ça fait vecteur nul de E. Donc bah, du coup, F moins identité de E2, ça fait 0, donc F de E2, c'est automatiquement un vecteur prof, F de E2 égale E2. Donc cette astuce-là, on va la revoir, pour l'analyser. D'accord? Quand on a un espace caractéristique de taille n, l'astuce, c'est vraiment de trouver un truc, un élément E, vous voyez, qui soit qui soit pas dans quart de F moins identité, ni au carré, qui soit le plus loin possible en fait dans la chaîne, vous voyez, qui mette le plus de temps possible à s'annuler, puis après on prend ces images. Bon bref, je pense qu'on reverra dans les exos. Mais vous voyez, l'astuce là pour trouver les E2, E3, c'est de choisir d'abord E3. Ouais. Et je prends un E3, qui est donc quart de F moins évidemment qui est dans l'espace qui va bien, mais pas dans le noyau, parce que sinon ça ferait F2-3 égale E3, c'est pas ce que je veux. D'accord? Et automatiquement, je prends F moins identité de 3, boum, je trouve E2 et je trouve que F2-E2 égale E2. Ok, vous avez compris? Donc là maintenant il suffit de le faire. Hein, donc hop. Finalement. Donc, on prend, je sais pas moi, E3 égale, alors n'importe quel vecteur qui est là-dedans, mais pas dans K de A-I3, d'accord? Donc, par exemple, 0, 0, 1, il est, voilà, il n'est pas dedans. Ça fois 0, 0, 0, 1, ça fait pas 0. Okay. Ça fait 0 pour le premier, mais pas pour les autres. Ça fait 0 pour le dernier, je veux dire, mais pas pour les autres. Donc, on prend le plus simple, je sais pas si c'est le plus simple, hop. Donc c'est F moins identité de ça. Donc ok, donc ça fait toc. Là ça fait 1, 1 moins 1. Hein, puisque une matrice multipliée par 0, 0, 1, ça veut dire je prends juste la dernière colonne. Donc ça moins identité, ça fait 1, 1 moins 1. Et là, oh surprise,
On multiplie cette matrice par 1, 1 moins 1. Non, merde, c'était déjà à moins identité, autant pour moi. 1, 1, 0. C'était déjà à moins identité de 0, 0, 1. Je multiplie par 0, 0, 1. Je garde donc juste la dernière colonne. Hop, E2 égale ça. Et si je multiplie ça, regardez, 0, 0, 1 fois ça, ah, 0, moins 1, 1, moins 1, 1, ça, 0, ah, 1 moins 1 fois ça, 0. Okay. Bah, d'ailleurs, je suis presque sûr que on l'avait pas vu. Bon, ok. On n'avait pas écrit avant qu'R2F moins 2 identités, je crois que si. C'est vecte de 1, 1, 0. Et là, on l'a retrouvé par le calcul, oui. Là, puis E1. Alors, E1, on ne l'avait pas fait. Hop. Eh ben, il faut trouver un vecteur dans le quart de A moins 2 identités. Alors, il est où? A moins 2 identités. Donc là, il faut trouver. Donc voilà. Ah, je ne l'ai pas écrit. Alors, je vais l'écrire. Et on va bien trouver. Hein. Alors, ici, il y a moins 1. Il y a 0. Et ici, il y a moins 1. Et donc, il faut trouver une combinaison linéaire entre ces lignes. Bah, voilà, celle-là, c'est l'opposé de celle-là. Donc, celle-là, plus 0 fois celle-là, plus une fois celle-là, ça fait 0. Donc, hop. Je vais prendre 1,0,1. Et ça marche très très bien. Voilà. Bref, donc voilà, donc la base finalement c'était E1, E2, E3, j'ai trouvé les trois vecteurs et voilà, ça, dans cette base-là, on a bien effectivement ce qu'on voulait. Ok, pas simple, hein. Et sur un exemple, comme ça, on essaye de comprendre un peu la théorie. Hop, avant de faire les théorèmes généraux, ça me semble pas con. Ça dégage. Hop. Alors, en déduire la décomposition de Dunford de B. Ah oui, mais il est long cet exo en fait. Ouais, c'est ça. Ou alors B, la décomposition de Dunford de B, ça c'est pas très dur. Faut écrire B comme une matrice diagonalisable plus une matrice nilpotente qui commute. Bon, bah là en l'occurrence, la matrice diagonalisable c'est la matrice diagonale. Quand elle est triangulaire supérieure et qu'elle est de sa forme, en fait c'est une forme de Jordan. Donc là, c'est pas très dur. Ça ne marche pas avec toutes les triangulaires, hein, attention. Hein. Une ligne. Là, c'est pas très dur de décomposer. Hop, hop. Donc ça, je l'écris égal D plus N. Et D diagonale, N est nilpotent. Je laisse vérifier que N au carré, ça fait 0. Et il faut vérifier que dn est égal à nd. Pas complètement évident, mais il faut faire le calcul. Donc voilà, donc c'est la décomposition de une fois. Si je vais faire la pause, je cherchais une bière. Mais je croyais, chaque fois, je croyais que l'exo était presque fini, en fait, je me suis fait avoir. On va résoudre le système différentiel maintenant qu'on a ça. Allez, cherche une bière d'abord, hein. Fais une petite pause.
Ah! Voilà. Donc j'y pensais. Attends, ferme la porte, pas faire trop de bruit. J'ai mis un peu de temps pour dire à Colin d'aller se coucher. Il a un examen dans pas longtemps, après-demain. J'y pensais en revenant. Donc faut vraiment pas se faire avoir parce qu'on a souvent tendance à dire que si on a une matrice triangulaire supérieure, Dunford facile, ben, on prend la diagonale, c'est diagonalisable, et si au-dessus, c'est nulpotent. Oui, si je prends n'importe quelle matrice, 3-3, hop, triangulaire supérieure, on pourrait se dire, ben voilà, je sais pas moi. Hop, je mets des zéros partout, là. Et puis là, je mets des coefficients, je sais pas, moins 3, 1, 4. Bah voilà, on pourrait se dire, bah tiens, celle-là, c'est bien égal à une matrice triangulaire. Hop. Okay, hop. Alors, en l'occurrence, c'est 1, 0, moins 1, plus une matrice toc, nilpotente, là. Hop, hop. Et c'est complètement vrai. Hein. Je veux dire, voilà. Ça, c'est une matrice nilpotente, celle-là au cube vaut 0. Hein. D'accord? Ça, c'est bien une matrice diagonale. Ça, c'est une matrice potente. Ok? Mais pourquoi c'est pas la décomposition de Dunford? Dans le chat, qui peut m'expliquer une raison pourquoi je sais que ça, c'est pas la décomposition de Dunford? Alors, Silent Math, ma question, c'est comment je vois ça sans faire aucun calcul? Bravo, bravo Francal. Parce que ma matrice, j'ai pris exprès, c'est un peu petit peu caché, mais trois valeurs propres différentes. 1, 0, moins 1. Donc elle est diagonalisable, l'aile. Donc la décomposition de Dunford de L, vu qu'elle est unique, c'est L plus 0. Qui est nilpotent et qui commute. Vous voyez, parce que c'est une diagonalisable plus une nilpotente, ben voilà. La décomposition de Dunford de L, c'est L plus 0 comme matrice nilpotente. Alors si on savait déjà que F2E2 est égal à E2, ma falta, parce que dans l'occurrence c'est dimension 1, donc on était sûr de retomber sur celui-là. Ok? Donc en fait on aurait pris, on aurait, voilà, c'était un peu de l'arnaque parce qu'on était sûr de tomber dessus, mais je voulais vous montrer un procédé qui permettait de garantir pour F3. Mais oui, ma falta, je suis d'accord que dans le cas présent c'était un peu con parce qu'on pouvait prendre E2 avant parce qu'il n'y a pas de choix, c'est dimension 1 en fait. Mais bon. Mais voilà. Donc ça, vous voyez, les décomposition de Dunford de ça, c'est pas du tout ça. C'est juste elle. Voilà. J'y pensais en allant chercher ma bière, en revenant là de la chambre de Colin. Je me disais, tiens, faut quand même que je leur montre ça. Voilà. Allez, allez, alors à votre santé. Hop, petite pause. On discute de conneries, de maths, de mes études, de ce que vous voulez. Voilà. C'est un petit moment là parce que. Et après, je vais me coucher parce que je suis fatigué. Ah oui, donc il faudrait que je résolve le système quand même. Bon, alors, on va quand même voir comment utiliser Dunford pour calculer, résoudre le système. Allez, à la vôtre. Une petite science infuse, Chocomoco. Elle est vraiment, vraiment excellente. D'ailleurs, je crois qu'il faut que j'en rachète. J'en ai presque plus pour la fête. Il faudra que j'en ramène. Quand je saurai combien on met, j'irai chercher les caisses. Donc voilà. Moi, je voulais qu'on cuit. Bon, j'ai dormi 3 heures la nuit dernière parce qu'il y a des petits problèmes dans la maison. Alors attends, Henri, ta question où? Des éléments sur optimisation, capitalisation, Lagrangien. Alors non, vraiment pas, c'est vraiment pas mon truc. Désolé, j'ai pas. Alors les sciences infuses, ben, je les récup à la fac, Jérémy, à la brasserie. Tu sais où est la brasserie? Dans le bâtiment Fourier. Moi j'y vais, c'est des collègues, tu vois, c'est l'avantage d'être prof à la fac. Oh, tu y vas, tu demandes est-ce que tu peux en acheter. Bon, s'ils ne repèrent pas tout de suite que tu es un étudiant, ça peut passer, mais sinon, sinon on y va ensemble, hein, et je vais te en chercher, quoi. Et moi, je vais au cours, je dis aux collègues, salut Frédéric, qu'est-ce que tu as en stock? Et bim, il me les vend, et voilà, c'est pas dur pour moi. Alors, qu'est-ce que je pense des Gourdons? Bah, ce sont des bons bouquins. Monsieur Xavier Gourdon est quelqu'un de plutôt rigoureux et qui écrit plutôt pas trop mal. Des fois, je trouve que c'est peut-être un petit peu complexe, mais enfin, en même temps, la critique est facile, l'art est difficile. Hein. Donc,
Globalement, ce sont des très bons bouquins. Il y a des fois des preuves, tout ça, moi je trouve que j'aurais pas fait comme ça, mais franchement, moi je trouve que c'est très bon bouquin, il n'y a pas de doute, hein. Alors, Mister Leblanc, je te rassure, c'est pas parce que tu as un parent qui peut tout expliquer les soirs que forcément tu réussis, hein. C'est pas si simple, malheureusement. Moi, j'ai trois enfants qui, à l'école, ça a été un peu chaotique. Hein. Ah, le cabanon et du bon rouge, ouais. Ouais, le aïe, le cabanon, la cabane de jardin. Je sais pas si c'est des photos de la cabane de jardin avec le nouveau. Attends, je vous montre. Je l'ai des photos de la bonne couleur. Ouais. On l'a repeint. Ouais. Hop, hop. Je sais pas si j'ai repris des photos depuis. Ah si si, je peux vous montrer ça. Ouais. Hop, hop. Elle est quand même vachement mieux. Alors c'est vrai que sur les photos, c'est pas non plus très criant. Moi, je trouve les anciennes couleurs. Est-ce qu'on voit bien la différence là? Je vais mettre les photos à côté. Ouais, donc là, ça claquait quand même pas mal. Je trouve des petites photos comparatives là. Hop. Bon, là, il y avait la dérive, mais c'est pas grave, on voit quand même pas mal de différence, quoi. La luminosité n'est pas la même, mais on voit quand même bien. Alors, il faut que je partage ça. Hop, 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 hop. Boîte de fenêtre. Boum. Ça non plus. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça, c'était l'ancien roof. Claque pas mal. Et donc voilà, le nouveau. Voilà. Bon, est-ce que ça valait le coup de repeindre pour passer de ça à ça? Ma femme a l'air de dire que oui. Bon, ok. Bon, c'est quand même plus joli, j'avoue. Bon, après, l'humidité n'est pas tout à fait la même. C'est marrant d'ailleurs parce que l'arbre là qui est au-dessus avait l'air d'être mort et puis entre-temps, il a complètement bourgeonné, il y a des feuilles partout, du coup on dirait que c'est pas le même arbre un peu. C'est marrant, ça. En 2 semaines d'écart. Alors, c'est quoi la question? Peux-tu me parrainer sur Archive? Je vais pas faire ça, moi. Donc, je sais pas, je ne sais pas faire ça. Je sais pas qu'il fallait parrainer des gens pour qu'ils puissent publier sur Archive, en fait. Avoue, un court exercice sur les complexes L3 maths. Ben, les complexes sont L1, donc non. Ah, alors la notion d'application transposée au sens de la dualité, ça c'est intéressant. Ben, ça sert à plein de trucs, en fait. Mais c'est dur à expliquer comme ça en 30 secondes. Eh bien, Miss Ipsa, eh bien, écoute, j'en suis ravi. Merde, de rien. Hop, hop. Ouais, ah, ouais, c'est ça, l'arbre a eu le genre de couleur. L'analyse complexe et fonction holomorphe, c'est-à-dire, ah oui, j'ai un cours, ouais. Sur les complexes, enfin sur l'analyse complexe, sur les fonctions holomorphes, j'ai un cours qui est pas polygraphe, qui est écrit à la main, mais qui est bien. Alors bon, voilà, c'est un élève qui l'a recopié, moi je trouve pas mal. Des fois il faut un peu lire parce que c'est un truc manuscrit, mais le cours est assez relativement bien noté et je trouve pas mal. Donc envoie-moi un mail, Myriam, en disant tiens, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre cours sur l'analyse complexe et puis je te l'envoie. mathadulte@gmail.com. D'autres questions?
pas trop boire. Quelle idée saugrenue. Je sais que ça va faire craquer la moitié des gens qui me suivent. Alors, hop, voilà une photo récente de Spirou. Notre petit chat. Écoute, regarde ma vidéo, Samy, sur les systèmes linéaires. Peut-être tu verras, peut-être. Je parle un petit peu d'applications transposées et comment, au sens concret, qu'est-ce que ça éclaire sur les systèmes linéaires? Tu me diras ce que tu en penses, si ça t'éclaire un peu la notion de transposée. C'est assez subtil, en fait. Bon, tu me diras ce que tu en penses. Le chat, il est mignon, hein. Crois que j'ai d'autres photos. Hop, non. Sale bête. Oui, c'est bien acclimaté à la maison. Un chat qui était trouvé par la SPA, qui était abandonné, qui n'était pas en très bon état. Il avait des problèmes, il était plein de puces, il était asthmatique, et ben, bref, il avait plein de soucis, un problème à la vessie, je crois, de ça. Donc les gens, ils l'ont récupéré, ils l'ont retapé, ils l'ont et puis après, ils ont mis une annonce qui disait qu'ils veulent récupérer, nous on l'a récupéré, tout ça. Voilà. Ben, le chat, moi je le vends pas, donc tu peux pas l'acheter. Je l'ai eu à peu près gratos, enfin non, il faut payer, je sais plus que, enfin, à peu près gratos, c'est rien de réflexion de riche, quoi. Tu payes 150 euros, je crois, pour payer le véto et pour payer les vaccinations, les trucs et tout. Mais par rapport à ce que je vois qu'il y a des gens qui vendent des chats à 1000 euros, 2000 euros, tout ça, enfin bref, on n'a pas acheté le chat et puis je veux pas. Enfin, moi, si tu veux me l'acheter plus que 150 euros, moi j'aurais tendance à dire oui, mais ma fille elle me tape, elle me crucifie. Non, puis même, enfin, je veux dire, ça serait beaucoup plus que 150 euros. Là, ouais. Non, en fait, je dis ça, je ne ferai pas du tout, je dis des conneries. Non, je vends pas le chat, je l'aime bien. Trop tard. Le jour où on l'a eu à la rigueur, mais maintenant c'est trop tard, il est adopté. Hop. Par contre, il me fait tousser cet enfoiré. Il perd des poils partout et moi je suis un peu allergique, alors bon, c'est la vie. Après, c'est de l'élevage, je veux dire, c'est comme tout. Attends, Jérémy, moi je trouve ça. Ok, payer 1000 balles pour acheter un chat, moi je trouve ça con. Mais par rapport à payer des dizaines, des centaines de milliers d'euros pour acheter des morceaux de pixels en NFT, toi, bah, je veux dire, il y a toujours plus con. On trouve toujours plus con que soi. C'est ça qui est bien dans la vie. Bon allez, on résout le système vite fait, puis après on va se coucher. Alors oui, Double, on a déjà décortiqué allègrement les maths qui sont derniers, Maxime, on a même fait des sujets maths engine avec ça, pour voir pourquoi il manquait une carte, quelle carte il manquait, etc. Alors la Double, on a bien travaillé dessus. J'ai toute la théorie, là, moi je la maîtrise maintenant sur Double. Hein. Est-ce que tu me fais un retour sur une petite tentative de preuve de la conjecture de Goldbach? Bah écoute Mano, je ne dis pas que c'est ton cas, mais je reçois des démonstrations de gens plus ou moins farfelus qui m'envoient des preuves de conjecture de Riemann, de Goldbach, de trucs comme ça. Généralement, bon après je ne sais pas je sais pas quelle est ta formation, mais généralement ça devient vite n'importe quoi. Vite des hypothèses farfelues ou vite des utilisations de théorèmes que les gens ne comprennent pas bien. Voilà. Donc, bah parce que c'est hyper dur. J'en veux pas, hein, mais en fait, il y a. Comment je pourrais expliquer ça? Hop, hop, hop.
C'était pas, je veux pas être critique, je veux pas être désagréable, parce que c'est super bien de chercher. C'est très bien de faire des efforts, c'est très bien de tenter de trouver des trucs et tout. Mais si t'es pas chercheur en maths depuis 10 ans, enfin, si t'es pas Terence Tao, si t'as pas la médaille Fields et tout ça, la probabilité que tu puisses démontrer Goldbach comme ça en 15 pages, tu veux, me semble à peu près nulle. Ouais, je te le dis clairement. Hein. C'est comme la démonstration de Fermat, ça a été fait par un mec connu qui a mis 20 ans, la démonstration fait 300 pages. Je veux dire, il a fallu plusieurs experts pour la relire et tout. Enfin, toi, un truc comme Goldbach qui se démontre en 15 pages, déjà, ça me semble assez impossible. En fait. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui ont cherché, des mecs hyper forts, que si ça te démontrait en 15 pages, les mecs auraient trouvé. Quand tu vois la puissance des démonstrations qu'ils auraient été capables de faire, enfin, les trucs du Ramanujan et tout ça, les mecs qui sont passés en arithmétique, il y a vraiment des très, 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 très forts. Si tu veux. Donc, la conjecture de Goldbach, je ne dis pas qu'on la trouvera jamais, je dis juste que la preuve, elle fera plus que 15 pages. Quand je dis ça, je ne suis pas une certitude absolue, ce n'est pas une probabilité de 1 vraiment, mais ça n'arrive pas, si tu veux. Là, il y a récemment une petite nana, une thésarde, qui a démontré, qui a trouvé une question posée par Conway, personne n'avait trouvé l'astuce, ok? Un certain nœud, le nœud de Conway, qui a plein de propriétés bizarres, personne ne savait si on pouvait lui faire je ne sais quel invariant, elle a trouvé qu'on pouvait parce qu'elle a été maligne, elle a trouvé un nouveau système, ok, super. Recherche, c'est remarquable, mais ça ne lui vaudra pas la médaille Fields. Mais c'est remarquable, elle a trouvé un problème que certains, sans doute des chercheurs éminents, avaient cherché, je ne sais pas combien de temps, sans avoir trouvé, et elle a trouvé grâce à une astuce et tout, mais c'est quand même une thésarde dans le domaine, et elle a trouvé une astuce, elle a répondu à une question que les gens ne savaient pas. Ce qui est génialissime, ça ne lui vaudra sans doute pas la médaille Fields. D'accord? Donc, des gens qui ont la médaille Fields, il y en a plein. Des gens qui ont cherché la conjecture de Goldbach, qui ont la médaille Fields, il y en a quelques-uns. Et donc, j'ai du mal à croire que ce soit possible, juste. C'est même pas, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un il arrive, je veux dire, je ne doute pas de sa bonne foi, mais il dit ouais, moi j'ai monté l'Everest en tongue. Ben, non, enfin, je veux dire, non. On doute pas, si tu veux. Donc, cette démonstration elle est sans doute fausse. Hein. Voilà, en gros, c'est ce que je pense. Avant de l'avoir regardée, c'est très mal, c'est des préjugés, tu vois. Mais juste parce que ce que tu dis, c'est à la limite de l'impossible, tu vois. C'est comme si quelqu'un me dit ouais, moi j'ai gagné 2 fois au loto. Déjà, une fois, j'aurais du mal à le croire, mais 2 fois, je dis bah non, t'as pas gagné 2 fois au loto. Bref, mais je veux bien essayer de regarder. Si tu veux, je m'arrête à la première connerie, mais parce qu'après c'est chiant. Mais je regarde tant que c'est juste, je regarde, et puis dès que je vois un truc qui est faux, j'arrête. Ok, d'accord. J'espère que c'est la connerie, elle n'est pas à la 15e page. Alors, Elbaz, je voudrais préparer la grecque, je sais pas par où commencer. Bah écoute, le mieux c'est de prendre des bouquins, un bon bouquin, je sais pas, de prépa... Alors un qui te convient, ou tu trouves agréable à lire et tout ça, et puis que tu regardes les chapitres, et puis tu regardes les vidéos qui te vont en plus, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu as un aperçu en vidéo, un aperçu en bouquin. Sur les bouquins, tu es à peu près sûr d'avoir tous les chapitres. Hein, si tu prends un truc tout en un, maths pour la grecque et tout ça, machin, et puis tu les télécharges, évidemment, t'achètes pas. Hein. Enfin, tu télécharges pour regarder celui qui te convient, t'en testes plein. Tu testes une dizaine, une fois que tu trouves un bouquin vraiment celui-là, tu as envie de le lire, là, tu l'achètes en papier et tu le lis. Et en même temps, tu regardes la vidéo comme ça pour avoir un deuxième avis. Tu vois, tiens, lui, il écrit ça comme ça, comment j'ai lu fait, et tu compares et toi, et ça te fait une deuxième couche et ça permet de mémoriser les trucs. Alors, je suis en école sur le plateau de Saclay. Super. Les pistes de cours sur la géométrie différentielle, non, malheureusement, j'ai pas ça sur moi. Mon domaine préféré en maths, la crypto. Mais j'aime bien l'algèbre en général, mais la crypto en particulier. On télécharge où? Sur BookZZ, BookFi, mais je ne vous l'ai pas dit. Vous demandez à Google. Il va vous trouver Zlib, Z-Lib. Voilà. Vous demandez à Google, il va trouver plein de sites pour on télécharge les bouquins gratuitement. Mais après, il faut en acheter quand même, sinon il n'y aura plus au bout d'un moment. En fait, Silent Math, ça dépend. Si tu as déjà le niveau, si tu as déjà les notions de base, il faut mieux t'entraîner à faire des sujets. Si tu as oublié les notions de base, il faut mieux bosser un peu les bouquins. Il faut faire les deux, en fait. Toi, c'est plutôt, ça dépend, c'est une graduation, quoi. Tu connais rien, tu passes la grecque, il faut commencer à choper les bases et après à passer les examens. Si tu veux. Parce que tu as un sujet d'examen, si tu as oublié les bases, tu vois. C'est comme là, au début, je faisais des corrections de sujets, toi, mais je me suis dit, mais oui, mais ceux qui débutent, ils captent rien, en fait, toi, ils ont d'autres trucs. Donc. D'où l'idée de faire des sujets très simples comme je fais là, pour se remettre les bases à jour, pour pouvoir après comprendre des trucs plus compliqués, quoi. Alors oui, en vrai, il y en a une démonstration, mais j'ai laissé tomber, je referai ça plus tard. Parce que...
Combien d'heures de match j'ai fait depuis que vous êtes né? J'en sais rien, moi. Déjà, combien d'heures il est depuis que je suis né? J'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question, mais beaucoup. Ma démonstration préférée? Je sais pas. Je sais que j'avais vraiment adoré Allez, bonne nuit, Seb. De toute façon, là, je pense que je vais arrêter dans pas longtemps. Je fais juste le système différentiel, puis j'arrête. Ma démonstration préférée, je sais pas, il y en a plein. J'aime beaucoup le coup des patates, là. Vous savez, le théorème qui dit que si vous avez un sac de 2 n plus 1 patate, de telle sorte que si vous en retirez une, n'importe laquelle, on peut couper les 2 n restants en 2 paquets de n patates qui ont le même poids. Et on en déduit que les patates ont toutes le même poids. La démonstration, je la trouve assez dingue. J'aime beaucoup. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien comme démonstration? Il y en a plein, hein, et qui m'ont épaté, quoi. J'ai dit, putain, c'est trop beau, quoi. Qu'il existe un nombre, qu'il existe 2 nombres A et B irrationnels, tels que A puissance B soit rationnel. Ça, je trouve ça très joli aussi. Mais pas comme démonstration, où il y en a plein. Raisonnement divin, j'aime beaucoup, par exemple. Ou alors pas toutes, mais il y en a pas mal que j'aime bien. Alors, sur l'infinité des nombres premiers, je connais plein de preuves, par exemple, et il y en a qui sont plus rigolotes, je trouve, que celles de Euclide, mais après, ça dépend des goûts. Bon, allez, on fait le système diff et on va se coucher parce qu'il est tard, là. Moi, je suis un peu claqué. Alors, on finit quand même cet exo. On essaye de voir le rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Résoudre ce système d'équations-là. Donc là, oui, on a un système d'équations qui s'écrit x prime. Vu qu'il y a x, bah, du coup, c'est x prime de t. Hein. Y prime, z prime, égale. J'imagine que c'est notre matrice du début. Et où la matrice A, je l'ai recopiée ou pas? Non, je ne l'ai pas recopiée. Moi, je suis bête de la recopier. Celle des noms, c'est x plus z, donc ça fait 1, 0, 1. Ensuite, moins x plus 2y, hop, plus z. Et puis ensuite, x moins y plus z. X, Y, Z. Je vais mettre 2T pour bien qu'on voit que c'est des fonctions. Et donc on a voilà, x prime prime égale A fois x, y, z. Et là, c'est incroyable, vous y croirez peut-être pas, mais ça, la solution de ça, en fait, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout con. Et vous voyez, comment on s'en rappelle? Ça, c'est comme si c'était la dérivée de ce vecteur-là, en fait. Hein. Si je prends le vecteur, j'ai v prime égale AV. D'accord? Et de solution de V' égale AV, ben c'est bien, c'est exponentielle AV. D'accord? De t, y de t, z de t. Est égal exponentielle de A.
C'est bon, ça fait tout petit. Côté. Voilà. Les conditions initiales. X0, Y0, Z0. Ok. Ouais. Ah, il y a Blanche qui arrive. Il y en a qui veulent faire sémantique, ces mecs qui vont en faire sémantique, c'est bon. Voilà. J'ai pas vu Blanche arriver. Il y a des gens qui disent bonjour à Blanche, je vois même pas Blanche. Ok, alors, donc très bien. Donc. Donc j'espère que vous comprenez, c'est simplement la dérivée d'exponentielle AT, c'est A fois exponentielle AT en fait. Ça tombe bien, parce que du coup, bah, du coup ce vecteur-là, si je le dérive, ça fait A fois lui-même. D'accord? Donc question, comment on calcule l'exponentielle AT? Alors. Alors oui, mais j'ai essayé de plus simple. Donc, alors on a B qui s'écrit comme ça. En fait, on a B, c'est alors c'est B, c'est égal à T moins 1 AP, hop, où P est la matrice de changement de base de la base canonique à la base E1, E2, E3. On la connaît. OK? Donc, exponentielle de AT. Égal. AP moins 1. Vous me dites si vous comprenez l'exponentielle de la matrice, vous comprenez ça ou pas? Parce que déjà, il faut que j'explique, il faut peut-être faire un petit rappel. L'exponentielle de la matrice, c'est la somme des at puissance n sur n factoriel. Qui font genre, ils osent pas le dire là, mais en fait, ils comprenaient rien. Ils disent, mais de quoi ils parlent? C'est quoi cette exponentielle d'une matrice? C'est comme si c'était évident, ça c'est t puissance n, a puissance n, factoriel n. Hop, ce vecteur. Alors donc ça, vous voyez, si je remplace A, enfin si je fais multiplie par P moins 1 AP, ça peut se rentrer dedans. T puissance n, c'est un scalaire, donc ça rentre. Et P moins 1 AP, ANP, c'est P moins 1 AP, le tout à la puissance n. Donc ça fait exponentielle de AT. Fois P moins 1 plutôt. P. Et ben c'est égal à exponentielle de BT. Ah oui, je voulais écrire dans l'autre sens du coup. P. P moins 1, c'est exponentielle de. Je vais écrire dans ce sens-là, pour qu'on comprenne bien. De PB, P moins 1, et
égale P exponentielle de BT et moins 1. Ok? Et ça, c'est égal à P fois exponentielle de. Et du coup, B, on a vu que c'était D plus N. Donc P, on l'a, hein, je veux dire, on l'a explicitement, hein, P, puisqu'on a les vecteurs E1, E2, E3. Hein, d'accord? Donc P, c'est la matrice 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. D'accord? Donc voilà, P moins 1, on peut le calculer, ça, on a ça. Et donc, ensuite, maintenant, là où c'est facile, c'est que ça se décompose. Exponentielle de ça, c'est exponentielle d'un produit, vous savez. Donc ça fait enfin, exponentielle de la somme, vu que D et N commutent, exponentielle de ça, c'est exponentielle de DT. Quoi? Exponentielle de T. Et exponentielle de DT, alors ça c'est pas très dur, parce que comme D est diagonale, D il est où? Il est là. Ça fait exponentielle de ça, c'est exponentielle de 2, exponentielle de 1. Enfin, fois T, c'est exponentielle de T, exponentielle T, exponentielle T. Pourquoi? Parce que quand je mets ça au carré, 2 au carré, ça fait. Enfin, cette matrice-là au carré, ça fait 2 au carré, 1 au carré au carré. Cette matrice à puissance n, c'est 2 puissance n, 1 puissance n, 1 puissance n. Sur n factoriel, ça fait ça. Et donc, ça fois t, ça fait exponentielle de 2t. Exponentielle t. Exponentielle t. C'est pas très dur. Ce bout-là n'est pas très dur. Parce qu'en fait, c'est une horreur à calculer ça directement. Une exponentielle de matrice, c'est ça. C'est-à-dire, on ne connaît même pas les puissances de A, voyez. Donc si je veux écrire cette matrice-là, puissance 2, 3, 4, n, multipliée par la somme sur n factoriel, c'est une horreur, oui. Donc, mais si je réussis à faire Dunford, du coup, je me ramène à ça. Alors ensuite, ça, donc, ce coup-là, c'est pas facile. Exponentielle nt, alors là, c'est pas très dur non plus, parce que, donc si on a bien compris, c'est la somme de ça avec grand N ici. Sauf que rappelez-vous, grand N au carré, il fait 0 déjà. Donc en fait, ça fait I3 pour n égale 0, plus T pour n égale 1 fois N sur 1 factoriel. C'est tout. Je vais l'écrire, la matrice que ça donne, ça fait R3 dire. 1, alors il est où le N? Il est où, il est où? C'était juste un. Il y a un T ici. Voilà. C'est tout. Et on rajoute identité. Voilà. Donc ça va. Celui-là, il n'est pas très dur. Donc, ça fois ça, c'est pas très dur. On peut le faire dans n'importe quel sens. Ça fois ça, hop, je calcule. Là, je triche, hein, je fais à l'ordi parce que je suis fatigué. Hop, de toute façon, j'aurais été feignant. Hop, ça fait ça. Regardez le détail du calcul. Allez. Et donc A de T, c'est P fois P moins 1 fois ça. Alors P, la matrice P, il faut la recopier. Donc on a dit c'est 1, 0, 1. 1, 0, 1. Après. E2 c'est 1, 1, 0.
Et E3, c'est 1-0. Voilà, donc ça, c'est ça. Pourquoi ça? Pourquoi celle-là moins 20? Donc là, on va demander gentiment à l'ordinateur de faire le calcul. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que cette matrice-là n'est pas inversible. J'imagine. Normal, ça plus ça fait ça. Donc je me suis planté dans mes vecteurs. Là, effectivement, c'est une famille liée. Là. La deuxième ligne plus la troisième ligne, c'est là. Donc je me suis planté dans mes vecteurs. Alors attends, E1, c'était 1, 0, 1. E2, c'était 1, 1, 0. Et E3, c'était 0, 0, 1. Là, j'ai merdé. Hop. Voilà. Et voilà. À la ligne, je crois que c'est plus sûr. Et voilà. Et donc, voilà les solutions. X0, Y0, Z0, et on trouve les solutions. Ah, attends, l'argument de continuité, je vous revois. C'est quoi, de quoi vous causez là? Non, ah oui, non, non, mais c'est parce que pour faire sortir le P de la somme. Mais ça, c'est une connerie, enfin, je veux dire, tu. Oui, d'accord. J'ai compris. Non, mais j'ai compris, mais ok, mais je veux dire, c'est juste quand tu dis une série, toi, c'est une série converge, somme des UN converge, somme des lambda UN converge, et la limite est lambda somme des UN. Tu dis, ah oui, parce que la multiplication par lambda est continue, ce qui est vrai, hein, c'est ça l'argument. Enfin, je veux dire, fondamentalement, c'est bon, les gens comprennent ça. Ouais, j'espère en tout cas. Et je suis d'accord. C'est parce que l'application est continue. Est compatible. Je suis d'accord. Pas du tout parce que l'exponentielle est continue. Non, Ose a toujours raison. De toute façon, il y a un théorème de maths hyper important. Et Ose a raison. Donc ça, c'est clair. Il faut le savoir. Quand Ose dit un truc, c'est comme Matikawa. Il y en a quelques-uns, là, ils ont toujours raison. Ils sont hyper forts. Donc quand ils disent quelque chose, c'est que c'est bon. Hop. Voilà, bref, donc c'est ça les solutions. Alors c'est ça fois x0, y0, z0. Donc voilà, x de t, c'est x0 fois ça, plus y0 fois ça, plus z0 fois ça. Vous regroupez après les exponentialités si vous voulez. Vous trouvez la formule générale pour x0, pour y de t et z de t. Et voilà. Donc on a résolu brillamment cet exercice. Je suis content, j'ai fait un exercice dans la soirée, c'est bien. Hein. Il est fini au moins. Et le sujet, l'énoncé, il est où? Il est là. Ouais, on a fini l'exercice. Après, c'est bon, j'ai fait un exercice dans ma soirée. Enfin bon. Fantastique. Moi, j'en ai fini un, quoi. Bon, ah, je mets pas la bière au milieu. Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir assisté à ce live, j'espère que ça vous a plu. Donc je continue la semaine prochaine parce que je sais qu'il y en a qui ont fait l'exercice 11 et tout ça, on va continuer à explorer un peu, là, voir un peu plus la théorie, petit à petit on améliore un petit peu la théorie. Ok. Très bien, Samy. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, juste j'en profite quand même pour dire encore une fois merci à ceux qui me donnent des sous sur Tipeee. Je ne voudrais pas dire, mais l'année dernière, donc pour ne pas le nommer, Oz qui est là, est un des plus gros donateurs sur Tipeee et un de ceux qui a été le mieux classé à la grègue. Coïncidence?
Allez savoir, je déconne. Non, 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 je vous rappelle, j'ai pas besoin de cet argent pour vivre. Vous me le donnez, ça vous fait plaisir. Et même comme ça, voilà, ça me fait ultra. Je suis hyper fier de voir que des gens sont prêts à lâcher quelques euros par mois pour mon travail. Ça me montre que vous appréciez beaucoup. Et puis moi, ça me change ma vie, comme je vous l'ai expliqué, au niveau de l'argent de poche. J'en suis très content. Et donc voilà. Hop. Voilà, comme dit Samy, plus on donne, mieux on est classé. Donc c'est pas vrai en fait. Hein. Mais pas du tout. Hein. Enfin, j'aimerais bien que ce soit vrai. Non, non. Mais en tout cas, merci d'être là, voilà, de répondre à mes questions. Donc, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera le. Ouais, encore 2 semaines. Donc, là, les 2 semaines qui viennent, on peut faire des lives. La semaine... Après, je serai au Canada. Alors, je ne sais pas si je ferai un live ou pas. Je sais pas si j'essaierai parce que à 9h, il sera 15h là-bas. Je serai peut-être encore. Au... Je serai sans doute encore en conférence, en travail, en réunion et tout. Donc, je sais pas. Peut-être que je ferai un live à 22h, du coup, 22h30 pour l'heure française. Quand je pourrais me libérer, je ferai peut-être un petit coucou pour vous montrer le Québec, mais on verra. Alors l'adresse mail que j'ai donnée, c'est matadulte@gmail.com. Je la redonne ici dans le chat. Par contre, je ne la donne pas en entier. Vous ne mettez pas parce que j'ai pas envie d'être spammé à mort. Donc matadulte, ça écrit comme ça. Et après, vous rajoutez at up arrobase, hein, gmail.com. Voilà, je la tape exprès, pas normal. La tape pas bien. Je la tape exprès en haché pour pas que les algorithmes la reconnaissent. Hein. Donc ça aime, on est frère de carreau de terrasse, on est content. Ça fait plaisir. Voilà, il y en a qui veulent qu'on regarde sémantique en 7 minutes, purée. Moi, vraiment, j'ai réussi à se coucher. J'ai jamais réussi à se coucher. Ah oui, je suis coulé de mon cul. Mais bon. Mais quand on est plein, ça va vraiment vite. Alors, on peut faire le sémantique d'aujourd'hui en moins de 6 minutes. Allez, c'est un challenge. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, pas le temps. Donc on y va. Allez, on tente. Alors là, on a 6 minutes pour trouver. Ça, j'aime bien. C'est un bon challenge. Allez, go sémantique. Je vous partage la fenêtre. Bim! Allez les gars, allez on y va, on cherche des mots. Tapez des mots au hasard, je vais taper chat. Pouf, c'est froid. 7,26. Mat. Encore plus froid, moins 2,39. Les gars, vous êtes trop rapides quoi. Mort 635, joli. Trouvez des trucs, mais vous trouvez ça hyper vite quoi. Alors je sais pas ce que j'ai tapé moi, fusil. Touk. Non, c'est chaud, mais moins. Hier. Hier, c'est chaud, mais moins. Maladie. On m'a dit maison, je tente maison. En tout ça, c'est moins froid que mort. Mort, je sais pas, moi, crâne. Squelette. Non, c'est moins bien. Cimetière. Non, tout ça c'est froid. Qu'est-ce que ça peut être? Froid. Vieux. Vieux, c'est pas mal. C'est moins bien que mort, mais c'est pas mal. Année? Non, 10,46, c'est moins bien. Terreur 517. Terroriste? Très gai aujourd'hui. Non, 20,42. Film d'horreur? Non, je sais pas. Non, c'est quoi? Pouf, pouf, pouf. Ok.
Je sais pas si c'est sympa. Ah, il va me dire que le mot n'existe pas parce qu'il y a sans doute un accent sur le O. Ah non, c'est très froid, hôpital. Alors attention, parce que là, il nous reste 4 minutes pour trouver. Thomas. Dave. J'aimerais mieux faire un ingénieur informatique, ce sera difficile ou pas? Bah non, si ça te plaît, tu vas travailler, ça va bien se passer. Alors on me dit corps, hop, mais 22, c'est pas terrible, terrible. C'est pas mal, mais. Ah. 100, 142, c'est pas terrible. Vie. Combien? Derrière, sérieusement? Derrière 777. Ouais, du coup. Moins bien. C'est devant. Ah, devant, c'est pas mal aussi. C'est moins bien, mais. Devant, derrière. Avenir. Passer. Venir, c'est pas bon. Ok. Nostalgie. On me dit de tenter ressusciter. Hop. On s'écrit cette connerie. Et ça, non? Comment s'écrit ressuscité? Trembler, c'est bien. Trembler, c'est pas mal. Alors, on me dit direction. Non, pas terrible. Il reste 2 minutes. Cadavre, c'est pas ça. Tape ce qu'on me dit, hein, mais. Réincarnation. Me dit arnaque. Non, je sais pas. Minuit, mais écoute, pour le moment ça. Trouvé par zéro personne, je pense que c'est plus le même là. Il me dit pas le mot d'hier là. Non, sur le téléphone, j'ai le mot d'hier là. Je vais vous dire ce que c'était.
Renversé, c'était le mot d'hier. C'était renversé. Allez, on est parti. Homme, 27,69, c'est pas mal. Un petit peu moins. Mort est pas mal non plus. Ah oui, putain, il est mort, il est pas mal du tout. Oui, et moins bien. 886, quoi, purée. Oh, il est moins bien. Fatalité, vous me dites. Destin, du coup. Ah, c'est mieux. Résilience, on me dit. Très bien. Moi, j'ai fait 3 ans de prépa, effectivement. Agressement, je ne pense pas que ça existe. Coucou, on joue à Sémantics. C'est un jeu, voilà, il faut trouver un mot secret et il nous dit chaud. En fait, on tape des mots au hasard, il nous dit c'est plus ou moins proche de façon sémantique. Et on essaye de trouver agonie. J'essaye, boum, c'est pas mal, c'est moins bien que mort. Fin, toc, fin, c'est carrément froid. Effectivement, play à 847. Ah, douleur est à 999. Ça veut dire que c'est un synonyme parfait, quasiment. Souffrance 998. Donc. Endurer la douleur, non? Douleur, douleur, douleur. Ah oui, tous les mots sont au singulier masculin. Salut, t'as trouvé? Bravo. N'oubliez pas que vous avez trouvé, hein. On cherche.
J'ai déjà mis Affliction, visiblement. Il me dit que j'ai déjà mis. Oui, il était là, 28. Algie, ça existe ça comme mot? Oh, c'est une grosse tristesse, quoi. Comment on dit? Pas faire de bad depuis pendant 3 semaines, tout ça, on est vraiment très triste, comment on dit? Désespoir. Ouais, peine, j'ai essayé. Quelque part par là. Même qu'on n'ait pas trouvé encore. Vous dites pas ce qu'on trouvait. Hein. Il reste 23h52 minutes. Le mec traumatisé par le dentiste, ouais. Mais 999, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus près. A pas de mot plus près que douleur. Et alors ce deuxième souffrance est très très près, mais douleur est encore plus près. Ça doit être un parfait synonyme de douleur. Qu'est-ce qu'on a comme synonyme de douleur? Un petit peu sur Synonymo.
pas de mot au féminin. Moi, j'ai fait ENS-CACHA comme école. Supplice, j'ai tapé déjà. Synonyme de douleur ou l'antonyme de douleur. Alors, des fois, tout près, on n'arrive pas. 999, on ne peut pas être plus près. Hein. Quelque chose qui est douleur, douleur, douleur. La douleur est une information, comme il dirait dans le flambeau. On dirait Tony Tonic. Hop, hop. Douloureux, c'est que ça? Oh putain, douloureux, je suis trop con, putain. Le mot le plus proche de douleur, douloureux, quoi, putain. On a trouvé douleur. On avait trouvé douleur au 23e coup, au 24e, on aurait dû trouver. Putain, quel boulet. Enfin bref. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Moi, je crois que je vais vraiment y aller parce que là, je suis vraiment décalqué. Voilà. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.